Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au sommaire de cet épisode... Info et un toc sur la Russie de Poutine. Et en seconde partie, médias, le nerf de la guerre. Pour en parler, l'invité spécial d'Éric Morillo est un écrivain et brillant journaliste. Étudiant à Sciences Po, il fait son stage à Paris Match. Il commence comme pigiste et termine directeur adjoint du journal. Grand reporter et chef de bureau de Paris Match aux États-Unis, il devient un spécialiste de la géopolitique. Il mène des interviews chocs avec des grands de ce monde, George Bush, Barack Obama, Donald Rumsfeld au Pentagone, Dick Cheney, l'ancien vice-président Al Gore, et bien d'autres encore. Parallèlement, il enseigne au CELSA, l'école de communication de la Sorbonne. Il brave les interdits du Quai d'Orsay en interviewant deux fois Bachar el-Assad alors que la guerre fait rage en Syrie. Il obtient des prix pour la qualité de son travail, en 2017 le Grand Prix de la presse internationale, puis en 2018 le prix de la meilleure enquête journalistique. Il est l'auteur d'une dizaine de livres, dont « L'Irak n'existe plus », « Daesh, l'histoire », « Les mercenaires du calife », « Assad » et son dernier « La vérité du terrain », récit d'un reporter de guerre. En 2021, il quitte Paris Match pour rejoindre RT France. Lorsque l'année dernière, RT est banni de France par Macron, il crée Omerta, un média d'investigation 100% digital. Dans la tempête d'infos et d'intox sur la guerre en Ukraine, il est parti couvrir le sujet et nous revient avec des images inédites. Cette grande pointure du journalisme est parmi nous ce soir. Je vous demande d'accueillir Régis Le Sommier. Bonsoir Régis, merci, je vous en prie, installez-vous. Eh bien, on est très heureux de vous accueillir dans Bistro Liberté, Régis Le Sommier. Soyez donc vraiment, encore une fois, je le redis, le bienvenu. Merci de me recevoir. Une très riche actualité donc pour ce nouveau Bistro Liberté. Alors, c'est la coutume, vous ne le savez peut-être pas, pour m'accompagner et vous poser des questions qui seront peut-être dérangeantes pour certaines, hein, qui sait. Je vous présente donc ceux qu'on appelle les sociétaires, hein, qui sont donc autour de moi. Alors, tout d'abord, on commence avec Myriam Palomba, une fidèle de l'émission, on peut l'applaudir. À ses côtés, c'est mon fidèle acolyte Greg Tabibian qui a déjà commencé les chips. Oui, exactement. Hein, voilà. Et on le peut dire aussi. Mike Borowski nous rejoint de plus en plus régulièrement. On est ravis de te retrouver, mon cher Mike. Apparemment, c'est mieux avec tes fans. Hein, je loue une société. Voilà, c'est ça. Et puis un petit nouveau parmi nous, c'est la première fois, donc lui aussi on l'accueille vraiment avec vraiment joie. Il s'appelle Christopher Lann et c'est un vulgarisateur de l'histoire de France, on peut dire ça. On peut dire il ça. A une chaîne YouTube aussi qui cartonne. Bonsoir Christopher. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Alors, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Cher Régis Le Sommier, avant de parler de la Russie, j'aimerais d'abord, si vous le voulez bien, vous poser quelques questions sur vous et sur certains moments de votre carrière. Alors, on l'a vu dans l'introduction en images, vous avez commencé votre carrière à Paris Match en tant que grand reporter. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, elle est toute simple. D'où vous vient cette passion pour ce qu'on appelle le grand reportage? C'est quoi? C'est le goût de l'aventure? C'est venu de Paris Match, hein, intégralement. Quand je suis arrivé à Paris Match, je suis arrivé en stage. En fait, je devais faire, vous avez mentionné Sciences Po, il fallait que je trouve un stage entre ma deuxième et ma troisième année. Et donc, j'ai trouvé un stage, un petit stage d'été, comme ça, à Paris Match. Et au départ, je découpais les dépêches AFP. Vous savez, il y avait à l'époque, c'était des rouleaux de papier, il n'y avait pas d'ordinateur. Et en fait, il fallait regarder les dépêches qui étaient importantes, les donner au rédacteur en chef et ensuite en donner au chef photo. Enfin bref, j'avais un travail un petit peu manuel, on dira, pas très, enfin intellectuel parce qu'il fallait quand même que je lise les dépêches. Et puis, ce qui m'a fasciné tout de suite, c'est d'entendre les grands reporters. À l'époque, c'était les Balkans, c'était la Tchétchénie.
qui revenait, et il y avait un principe un peu d'un sas de décompression, c'est-à-dire que la rédaction, on venait, on posait son sac littéralement, on arrivait de l'avion, souvent les mecs n'allaient même pas chez eux, ils allaient à Match pour ramener leur pellicule, pour raconter, pour débriefer un petit peu, et ils racontaient aux autres qui étaient là ce qui leur était arrivé. Et tout de suite, hein, je dirais, en passant quelques jours à Paris Match, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Alors, après, il y a plein de choses qui peuvent expliquer. J'ai eu un père militaire, j'ai été baigné dans une ambiance guerre froide, d'ailleurs, on pourra en reparler, à propos de Poutine et des Russes. Mais mon père était dans les sous-marins nucléaires, donc très tôt, j'ai été, je dirais, un peu conscientisé, si on peut dire ça, sur le fait que j'avais un papa qui travaillait dans un truc où il suffisait d'appuyer sur un bouton pour faire péter la planète. Donc voilà, donc ça, c'était mon enfance. Cette vocation militaire, elle était intéressante et elle était surtout pour moi très mystérieuse parce que mon père était tenu au secret, donc il ne pouvait pas nous raconter exactement où il allait. Donc il y avait toute ce monde du silence. Même à vous, on était au secret, quand mon père partait sous l'eau, il partait 2 mois et demi. Il n'envoyait aucun message, aucun. C'est-à-dire que même s'il mourait sous l'eau, on ne le savait pas. Et ma mère avait le droit, toutes les 2 semaines, à envoyer 20 mots, qui étaient lus par un petit marin qui faisait la censure, en fait, parce qu'il n'allait pas raconter de choses qui pouvaient blesser le moral à bord. Ah oui, donc tout va toujours bien à l'extérieur. Donc, et elle ne savait même pas officiellement quand mon père revenait de patrouille. Mais, comme vous savez, dans les sous-marins nucléaires, il y a 2 équipages. Il y a un équipage bleu et un équipage rouge. Et donc, elle appelait ses copines de l'équipage rouge, qui, elles, savaient que leur mari allait se préparer pour partir. Comme ça, elles savaient que mon père revenait. Sinon, elles ne le savaient pas. C'est la marine, c'est le monde du silence. En plus, c'est le secret absolu, c'est la dissuasion nucléaire. Voilà. Donc, j'ai vécu là-dedans. Alors, peut-être que c'est ça qui m'a donné envie, peut-être, de pousser les limites. Je n'avais pas envie de passer ma vie comme mon père dans un étui à cigares au fond de l'eau, quoi. Voilà. Alors, on le disait, vous avez été une figure hein, de Paris Match. Est-ce que vous avez vu ce journal changer ? Est-ce que je l'ai vu changer ? Oui, je l'ai vu, bien sûr. Mais je l'ai vu changer et je l'ai vu aussi conserver des recettes qui ont fait son succès. Moi, quand j'y étais, donc, en tant que directeur adjoint, donc cette partie d'éditeur en fait, de ce journal, je travaillais avec Olivier Royan, qui était le directeur. Qui est décédé, hein, c'est ça. Qui est décédé, oui. Et le... En fait, ce qui était intéressant, c'est que on mettait en musique l'actualité de la semaine. Donc, on faisait ce qu'on appelle de l'histoire humaine avec une entrée photographique. Toujours avec ce souci d'essayer de raconter l'histoire des hommes, en fait. Le poids des mots, le choc des images. Oui, alors ça, c'était un des slogans historiques, mais le secret de Match, c'était de nous faire découvrir aux gens à la fois ce qui leur était très proche. Par exemple, quand il y avait des grèves ou quand il y avait des mouvements sociaux, on allait raconter ce que les gens faisaient, leur activité, leur vie, leur pauvreté, leur univers, en fait. Et puis, parfois, on transportait les gens dans des univers absolument inaccessibles, de princesses. Il y avait ce contraste entre l'infiniment proche et l'infiniment lointain. Et le mix de tout ça, ça faisait un journal qui était, me semble-t-il, attractif, puisqu'il a duré quand même plus de 70 ans, et aujourd'hui il dure encore, parce qu'il y a cette espèce de dialogue, en fait, au fil des années avec les Français. C'est un journal qui est plus une institution même qu'un journal. Voilà. Et le métier de grand reporter, hein, oui, il a changé lui aussi depuis le métier a bien sûr évidemment changé, parce que évidemment l'introduction de l'âge numérique, digital, a changé beaucoup de choses. La compétition qu'on fait entre nous, entre titres, entre médias, se fait sur une échelle bien plus importante. Aujourd'hui, avec les médias en ligne. Les médias en ligne, l'instantanéité. Avant, il fallait... moi, je me souviens, j'ai fait des reportages où il fallait donner... Le photographe donnait ses films à un steward d'Air France qui les mettait, vous savez, dans ce qu'on appelle les sacs à vomi dans les avions. On mettait du scotch autour et on le donnait au steward. Il y avait un motard qui arrivait à l'aéroport de Match qui prenait les films et on allait les développer. Et puis, le papier, on le dictait au bout du fil. C'est-à-dire qu'on appelait une sténo
qui prenait, voilà. On écrivait notre papier sur un... Voilà, ça a commencé comme ça. Moi, quand j'ai commencé, rapidement, il y a eu l'élément quand même numérique de l'ordinateur qui est arrivé assez rapidement. Mais aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. La zone, on parlait des conflits, par exemple, c'est l'idée de raconter... On raconte presque instantanément ce qu'on voit. Dès qu'on peut tweeter, on ne le fait pas toujours. Hein. Parfois, on est tenu à des moments de prudence où on va essayer de voir comment on peut au mieux communiquer l'information qu'on a ou ce qu'on a vécu. Par exemple, sur le documentaire, j'ai mis quelques bribes de ce qu'on a pu vivre sur la ligne de front en Russie, enfin en Ukraine avec les troupes russes. Mais ça, il faut le distiller. Parfois, ça peut se retourner contre vous. Donc, il faut toujours calculer. Et donc, après, il y a le corps du métier. Maintenant, je fais du documentaire. Donc, il va falloir penser comment on met en forme le documentaire, comment on le... Voilà. Alors justement, puisque vous parlez de ce corps de métier, donc c'est le terrain, hein, c'est le journaliste là de plateau qui vous parle. Comment ça se passe concrètement quand on est sur un terrain de guerre? Comment est-ce qu'on se débrouille? D'où vient l'argent? Est-ce que vous avez déjà craint de mourir en reportage, par exemple? Bah, écoutez, quand on fait ce métier, il y a indirectement, là, j'ai titré pour... à propos des soldats qui sont sur le front en Ukraine, j'ai titré ce documentaire, ils ont accepté leur mort, avec quand même un sous-entendu que nous aussi, quelque part, on accepte ce risque. Ça peut être une éventualité. C'est là où vous parlez des soldats, mais bah, c'est les grands reporters... On vit la même chose, enfin, ouais. On vit la même chose, sauf qu'on n'est pas tenu de rester 10 jours au même endroit, on n'obéit pas une chaîne de commandement, même si on intègre le dispositif, donc là, on a des rapports, évidemment... très étroit avec les soldats et on est obligé d'être protégé par eux d'une certaine façon. Donc la question du risque, oui, elle existe, on l'anticipe, on essaie de l'évaluer, de se dire on va pas faire n'importe quoi, aller dans un endroit hyper dangereux qui ne nécessiterait pas d'aller pour le reportage. En revanche, des choses qui peuvent être visuelles, intéressantes, ou même des interviews qui peuvent avoir lieu à l'arrière, on va les faire. Vous voyez, il y a toute une construction du documentaire à chaque fois qui se fait, qui est dans notre tête au départ. On se laisse surprendre parce que souvent, comme je dis au début de ce documentaire, je dis avec les Russes et avec les Ukrainiens aussi, puisque j'ai, je rappelle, fait un reportage côté ukrainien en avril avec des volontaires français qui cherchaient à intégrer l'armée ukrainienne. Donc je suis allé côté ukrainien. Il y a un élément de doute, ou enfin en tout cas un élément d'incertain très très puissant. On ne sait pas ce sur quoi on va tomber. On ne sait pas ce qui... Et surtout sur une guerre comme ça. Parce que là où je voudrais attirer un petit peu l'attention de vos spectateurs, c'est que on est dans un conflit d'une dimension. Moi, j'ai couvert pas mal de conflits, l'Irak, l'Afghanistan, le Mali, la Syrie, des conflits durs, mais des conflits plus de type asymétrique, on dira, avec... des guérillas, avec des gens qui plantent des bombes sous les routes, avec des embuscades, mais avec souvent un rapport que la force occupante, que ce soit les Français au Mali, les Américains en Irak, c'est le fort et le faible, c'est l'insurgé. Donc l'insurgé, il utilise l'arme du faible. Il essaie de surprendre, il essaie d'apparaître là où on ne l'attend pas, de disparaître quand on l'attend, etc., etc. Donc ça, c'est une façon de pratiquer la guerre. Là, on est face à une guerre conventionnelle qui est, je pèse mes mots, proprement monstrueuse. On est avec une guerre où vous avez des centaines de morts tous les jours. On est dans une guerre, on est retombé dans une configuration, Seconde Guerre mondiale. C'est pas Verdun, parce que Verdun, je pense qu'on fera, ça, dans l'horreur, on fera jamais pire, mais on est dans, il y a des portions de la ligne de front avec des duels d'artillerie. C'est immense, c'est incroyable. Alors on va y venir, Régis Le Sommier, ça va être l'objet d'ailleurs de ce premier débat, on va parler longuement de cette guerre donc, en Ukraine, mais j'aimerais encore une fois revenir à vous, votre parcours. Aujourd'hui, donc, vous êtes à la tête du média Omerta, hein, omertamedia.fr, hein, lancé en ligne il y a quelques mois. D'abord, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce projet? Quel est le but, l'objectif derrière ce média?
L'objectif derrière ce média, c'est un média de documentaire et d'investigation. Uniquement. Oui. Alors maintenant, on est en train de faire pour qui sortira le 22 février un magazine qui va venir commémorer les 1 an de la guerre en Ukraine. Comme on a fait beaucoup de reportages autour de cette guerre, on a décidé justement de faire un 108 pages avec des photos évidemment qu'on a prises pendant les reportages. Donc là, c'est une exclu que vous annoncez donc aujourd'hui. Absolument. Le 22 février, lancement de ce magazine, du magazine de Omerta Magazine, qui sera un trimestriel, donc il y en aura 3 dans l'année. Et le premier donc sera consacré à cette guerre en Ukraine. On a interrogé, en fait, le titre, c'est « Briser le tabou ». Briser le tabou, c'est quoi? Ça veut dire poser toutes les questions sur cette guerre. Ça veut dire poser la question de la participation de la France, poser la question de la participation des États-Unis, qui est souvent mis en avant, la réelle santé de l'économie russe. On en est où aujourd'hui? Quasiment à 1 an de la guerre, je rappelle cette phrase qui avait été prononcée par notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui disait que le but était de mettre la Russie à genoux. Aujourd'hui, qu'en est-il aussi de l'armée de Poutine, qu'on a vu reculer à plusieurs reprises? Est-elle aujourd'hui en voie d'effondrement ou au contraire à 2 doigts de reprendre Voilà, toutes ces questions-là sont traitées dans le magazine à travers des invités prestigieux. On va avoir donc Michel Onfray, on a Maurice Gourdeau-Montagne, on a Arnaud Klarsfeld aussi qui vient nous expliquer, et Henri Guénaud, pour en citer quelques-uns. Donc voilà, c'est d'ailleurs, j'en profite, pardon de vous interrompre, mais qu'est-ce que vous répondez déjà à ceux qui, comme Le Monde ou Libération, qualifient Omerta de médias d'extrême droite à tendance russophile? Alors, c'est un titre de gloire, oui. Ça, non? Bah, écoutez, je ne sais pas, ce qui m'a beaucoup surpris dans cette histoire, il ne faut pas non plus en c'est bien de poser la question, c'est bien d'y répondre aussi, mais on ne va pas s'attarder sur ces médias qui malheureusement ne représentent plus grand monde aujourd'hui, qui sont symptomatiques d'une certaine dérive que moi j'appelle les bœufs carottes. Vous savez, dans la police, il y a c'est ceux qui regardent ce que la police fait. Voilà, ça peut être tiré d'un film d'Audiard, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire des gens qui passent leur vie à inspecter ce que vous faites. Donc on n'est plus dans le journalisme, on est dans l'inspection du journalisme, si vous voulez. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir où vous vous situez, par exemple, politiquement. Vous avez cité Michel Onfray, Henri Guénaud. Bon, ils ne sont pas tous... ils sont plutôt des souverainistes. Oui, c'est éclectique. Hein. Comment vous situez-vous? Est-ce que vous pouvez nous dire Personnellement ou journaliste? Personnellement, forcément, moi, j'ai jamais eu de problème. Vous croyez au journalisme neutre, par exemple, vous? Alors, ce que je dis, c'est que sur la question du journalisme, moi, j'ai toujours appliqué la même formule. D'où vient ton camarade? On est là... Non, le journaliste, c'est être capable de dire du mal de gens que vous aimez. C'est-à-dire, vous allez sur un théâtre de conflit, vous passez du temps avec des groupes armés, un groupe armé, par exemple. Puis vous avez une certaine sympathie pour eux, par exemple les Kurdes. Je veux prendre cet exemple-là parce qu'il est assez emblématique. Vous êtes capable de dire aussi que ce que vous avez noté chez les Kurdes, ça je le sais par d'autres, moi j'ai passé un peu de temps avec eux, mais pas suffisamment. Mais enfin, en tout cas, j'ai des confrères qui disent que les Kurdes, ils sont organisés très militairement, évidemment, c'est normal, ils ont un combat, mais qu'ils ont aussi une organisation communiste qui parfois a des traits un peu sectaires, et c'est d'être capable de dire tout. Vous savez, mon modèle, moi, c'est George Orwell, qui était journaliste à la base, qui est allé mettre un projecteur sur des coins complètement glauques de l'Angleterre, de la révolution industrielle, la condition ouvrière. Et puis un jour, il est arrivé, il a décidé d'aller combattre parce qu'il avait des convictions en Espagne. Et il a écrit ce livre qui est extraordinaire, qui s'appelle « Hommage à la Catalogne ». Et dans ce livre, ce qui est intéressant, c'est que Orwell fait évidemment un panégyrique de ceux avec qui il combat, glorifie le combat, mais... En anglais, je dirais un petit peu observateur, il ne s'interdit aucune observation sur son propre camp. Et par exemple, à un moment, il se retrouve avec un groupe d'anarchistes qui élisent leurs officiers. Et Orwell dit non, on ne va pas à la guerre, ça ne va pas fonctionner si on élit les officiers, si on dit finalement, c'est pas comme ça que ça marche la guerre, et c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc Orwell ne s'économise jamais d'être critique avec son propre camp. Et je trouve que c'est une démarche authentiquement journalistique. Vous savez, il y a aujourd'hui ces deux mots qu'on assemble, journaliste militant.
Alors, journaliste citoyen, ça peut se comprendre, quand il n'y a pas de journaliste, qu'un citoyen filme, où il explique dans les ruines d'Alep, quand c'est... je connais des photographes qui aujourd'hui travaillent pour l'AFP, qui étaient des gosses dans les ruines d'Alep, qui ont pris un appareil photo et qui ont, côté rebelle, hein, pas côté Assad, qui ont pris des photos parce qu'il n'y avait pas de journaliste pour documenter. Et aujourd'hui, ce sont devenus des journalistes. Parce qu'il n'y avait personne. Donc ça, je peux le comprendre. En revanche, le problème du concept de journaliste militant, je vois qu'il fait un peu Flores et qui, dans certaines écoles de journalistes, pour moi, c'est une hérésie absolue. On est soit journaliste, c'est très respectable, on est soit militant, c'est très respectable, mais comment voulez-vous, puisque le principe du militant, c'est de magnifier une cause, avoir une objectivité ou viser à cette objectivité en étant journaliste. Donc pour moi, c'est impossible. On ne peut pas être journaliste et militant. On choisit. Donc soit on choisit de s'engager dans une cause, et dans ce cas-là c'est louable, ou soit on fait du journalisme et on se tient aux faits, on essaye au maximum de se rapprocher de la vérité. Je sais, c'est illusoire. Moi, je dis par contre une chose qui est très importante par rapport à ma démarche qui a toujours animé ma carrière, c'est au maximum, et ça c'est ce que m'a appris Paris Match, aller sur place, aller voir. On ne sait pas tout en allant, mais on en sait un peu plus qu'en n'y allant pas. Eh bien, vous savez quoi, ça va parler plus que n'importe quel discours. Regardez quelques images donc, de ce documentaire qui est désormais donc, en ligne sur omertamedia.fr. On en regarde quelques images et on en discute juste après. Nous ne le savons pas, mais un char ukrainien nous a repérés. C'est quoi ça, Charles ? Mortier. Mortier ? Et ça vient des Ukrainiens ? Oui. Là, c'est vraiment la ligne. C'est là vraiment la première ligne. Journalistes, на пост вывести. On a changé de position par rapport à tout à l'heure. On est dans une grange, pas arrivé dans une grange en fait, parce que la position où on était très très exposée. Un premier extrait, on peut en effet vous applaudir, un premier extrait donc de ce documentaire Ukraine, ils ont accepté leur mort, hein, qui est donc, je le redis, visible depuis aujourd'hui, hein, sur omertamedia.fr. Alors là, on vous voit dans cet extrait avec votre fixeur, hein, Charles, vous retrouvez dans une ferme en ruine, pris pour cible par un char ukrainien, et vous devez être évacué. Avant de reparler de ce documentaire en détail, d'abord la genèse de ce projet, là aussi, c'est quoi ? C'était d'abord on a fait déjà un premier documentaire qui s'appelait Front russe qui concernait à l'époque de où les Russes occupaient Kherson. Il y avait toutes les menaces autour de la centrale de Zaporijjia. On a fait une sorte de parcours dans les quatre oblasts que Poutine a décidé d'annexer à la Russie. Donc celui de Kherson d'abord, ensuite on est passé par la Crimée, Zaporijjia. Donc et là ensuite, vous étiez dans Donbass. Quelle zone exactement en fait ? Là on est dans le Donbass, on est du côté de Lugansk, en fait à l'est de Lugansk, dans une position, enfin dans un secteur qui est le secteur de Kremina Svato. On donne ces deux villes parce qu'on donne pas exactement, voilà le village. On prend des précautions aussi, enfin on s'engage à ne pas le faire. Maintenant tout ce qui est dans le documentaire est absolument voilà. Ça date de quand exactement donc là, ça, là ces images qu'on vient de voir. Ça date de il y a 10 jours. Ah ouais, ouais incroyable. Voilà. C'était, ça permet de oui, donc voilà, vous montez quasiment en temps réel, quoi. Ah là, on a monté très très vite. On avait déjà le plan en tête, et puis il fallait mesurer. En fait, quand on était là-bas, il y avait la décision, il y avait la réunion des alliés occidentaux à Ramstein pour décider ils vont donner des chars lourds à l'Ukraine ou non. Donc on était vraiment dans l'actualité, on est revenu, on a ce matériel, il faut le montrer parce que c'est une vision au-delà de la guerre, de ce qu'on en pense, côté ukrainien ou côté russe. Moi ce que je trouve intéressant, c'est pour ça que j'ai appelé ça « ils ont accepté leur propre mort », c'est parce qu'on vit avec des gens qui sont dans une catégorie à part en fait. Ceux qui vivent sur la ligne de front, pour bien comprendre, vous nous voyez courir là, leur vie, ils passent leur temps à courir.
Ils passent leur temps à courir d'un point à un autre, d'une maison abandonnée dans laquelle ils vivent dans la cave, à une autre maison abandonnée dans laquelle ils vivent dans la cave. Dans la cave, qu'est-ce qui se passe? Ben, y a une dizaine de personnes qui sont là. Y a un opérateur qui reçoit les signaux des drones. Il y a 4 drones qui étaient envoyés pendant qu'on y était. Et vous le verrez dans le documentaire, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans la ligne de tir d'un char ukrainien. Et notre caméraman, on est séparés. C'est pour ça que toutes ces images-là ont été tournées à l'iPhone. À l'iPhone. Oui, avec mon iPhone, en fait. Voilà. Et en fait, quand je parle, je fais une face cam. Parce que mon caméraman, lui, il est dans la tranchée, dans le bunker, avec les opérateurs qui pilotent les drones. Et il arrive à voir sur la tablette le drone ukrainien qui est en train de nous tirer dessus. Et la position de mortier. Et les Russes, on le comprend parce qu'on le voit pas. Évidemment, on va pas aller filmer en se prenant des obus. Une guerre mais technologique, quoi. On peut dire. Technologique et en même temps immensément barbare. Parce que, en fait, quand ces gens courent dans leurs tranchées, c'est pour éviter de se prendre ce qu'on appelle des shrapnels. Les obus, vous voyez. Les shrapnels, c'est des éclats d'obus, en fait. C'est des morceaux de métal en fusion qui partent à 300 km/h quand l'obus explose. Et qui valent des chiquettes. Voilà. Pire que ça, c'est une balle, elle peut vous toucher l'épaule, voilà. Mais vous pouvez vous la prendre dans la tête. Mais en l'occurrence, le shrapnel, il va vous broyer ou vous cassez les os. Donc on est dans une configuration, oui, en effet, des gueules cassées de la Première Guerre mondiale. C'est comme ça que les gens vivaient. Et quand on est dans cette situation-là, il y a des réflexes, des choses, des comportements qui sont un peu irrationnels avec les soldats. Il y a à la fois une extrême douceur dans leur parole. Là, on était à un moment avec un vieux sergent très expérimenté, qui nous dit comme ça, on parlait des morts, je dis, est-ce que vous avez beaucoup de morts? Il m'explique que oui, il y en a 3, ils ont perdu 3 hommes le matin, ce matin, que les hommes sont dans le ravin, mais qu'ils ne peuvent pas aller les chercher parce que ça tire trop. Et après, il dit, mais je lui dis, mais vous faites des trêves avec les Ukrainiens, j'imagine, pour échanger leurs morts, parce que j'avais déjà vu ça en Syrie, entre les troupes d'Assad et les djihadistes qui contrôlaient les quartiers, et ça arrivait. Et là, en fait, non, il me dit, non, on ne fait pas on va les chercher derrière les lignes, les Ukrainiens ne nous autorisent pas, nous, on n'autorise pas les Ukrainiens, donc il n'y a aucun accord. Et ce que j'ai trouvé un peu touchant, parce qu'il y a quand même parfois même au fond de l'enfer, comme ça, un soupçon d'humanité qui revient, c'est quand vers midi, c'est ce qui nous a permis de nous sortir de ce piège en fait dans lequel on était tombé. Eh bien, il y a une forme d'accalmie vers midi parce qu'en fait les soldats déjeunent et tacitement des deux côtés, sans que leur chef soit au courant. On diminue un peu la cadence pendant l'heure du déj et également le soir aussi, au moment du ravitaillement. C'est-à-dire que les tranchées sont ravitaillées des deux côtés. Donc il y a forcément des gens qui viennent amener la nourriture. Alors, cher Régis Le Sommier, avant de clore cette première partie, on va dire, de tête à tête et donner la parole aux sociétaires qui vont, je pense, vouloir vous interroger sur cette actualité. Bon, là, je ne vais pas me faire l'avocat de Libé ou du Monde, mais je ne peux pas quand même m'empêcher d'aborder ce point important. Vous avez choisi de couvrir, donc, dans ce documentaire, cette guerre du côté, donc, du camp russe. D'abord, première question, est-ce que vous étiez vraiment libre ou en partie contrôlé par ce qu'on peut appeler la police politique ou les officiers russes là? Quand vous êtes avec n'importe quelle armée dans des zones dangereuses, que vous les évoluez pendant 10 jours, vous avez un minimum de règles. Donc vous n'êtes pas libre. Non, mais vous pouvez pas aller au milieu de la tranchée comme ça, ne serait-ce que pour vous, ne serait-ce que pour la question de la propre sécurité des hommes. Non, mais est-ce qu'ils surveillaient les images que vous tourniez et ce qu'ils vous demandaient? Pas du tout. C'est ça. Savoir. Vous êtes dans une situation, je répète, quand vous êtes sur une ligne de feu comme ça. Le soldat, il ne pense pas aux images que vous faites. Il ne pense pas à « Oh, attention, vite mon casque, il est de travers ». Non, il pense à sa survie. Ah, attendez, il pense à votre survie. C'est pas BHL. BHL, j'allais y venir. Voilà. C'est vous qui aviez donc, on se souvient tous de ce discours mémorable, face à BHL, vous l'avez demandé, vous étiez étonné, il n'avait pas de casque quand il était en Ukraine. Non. Vous avez répondu que j'ai préféré le laisser à ceux qui en avaient besoin. Je vais quand même... Vous aviez un casque, vous. Oui, ce que je vais... Je rappeler un certain principe, c'est que quand on va sur une ligne de front, en troisième, en deuxième, et parfois, accessoirement, de...
mais c'est très rare qu'on aille en première ligne. Le casque et le gilet pare-balles sont obligatoires. N'importe quelle armée du monde... Donc vous voulez dire que BHL n'a pas été en première ligne ? Alors, c'est ça, mais je ne vais pas accabler Bernard-Henri Lévy. Il a, par rapport à certains autres commentateurs de plateau qui viennent m'expliquer ce qui se passe avec des cartes, etc., il a au moins le mérite d'y aller. Voilà, je lui rends hommage de ce point de vue-là. Il va interviewer des Ukrainiens. Alors bon, lui, il a un discours très orienté, mais au moins il va sur place. Voilà. Il y va pour se faire reluire, lui, parce l'orthographier. Après, oui, mais si vous voulez, ça, voilà. Par contre, quand il dit BHL sur le front, c'est faux. Voilà. Moi, c'est juste ça que j'ai voulu concrétiser. C'est-à-dire, on ne peut pas dire on va sur le front si on n'a pas un casque et un gilet pare-balles. Sauf si on l'a perdu. Oui, on peut se retrouver dans des situations. Moi, ça m'est déjà arrivé de me retrouver sur le front sans casque, parce que mon casque était resté dans un véhicule en Irak. Voilà, j'avais pas de casque. Et ben voilà, dans ce cas-là, on fait comme on peut. Mais c'est un principe de base. Ça va pas vous protéger contre les obus monstrueux qu'il y a sur le front ukrainien. Vous avez des tirs de 220, de 300 mm. Enfin, c'est le canon César, c'est du 155. Donc c'est côté ukrainien, donc ça arrive côté russe. Et donc c'est des duels d'artillerie tellement intenses que, évidemment, le gilet pare-balles et le casque vont pas vous servir à grand-chose s'il y a un obus qui éclate à côté de vous. En revanche, ça va vous servir à protéger un minimum les organes vitaux, un minimum le crâne, voilà, un casque peut vous sauver la vie, un gilet pare-balles aussi. Voilà, c'est pour ça que c'est obligatoire. Mais il n'y a aucune armée qui tolère que quelqu'un aille avec eux en première ligne, sur une ligne de front, sans casque, sans gilet pare-balles. Dernière voilà. question de cette introduction. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent que vous êtes pro-russe, par exemple ? Écoutez, je trouve ça absolument absurde. Je vais vous raconter une anecdote, puisqu'il y a un an et demi, avant justement de rejoindre la chaîne RT, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, je précise que j'ai passé 6 mois chez RT et 27 ans à Paris Match. Mais bon, en ce moment, on a tendance à mettre le focus sur ces 6 mois où je serais devenu un agent russe ou je sais pas quoi. Mais juste avant, donc je suis parti au mois de juillet 2000. Vous regrettez d'y avoir été à RT ? Est-ce que je regrette d'y avoir été ? On peut pas se défaire de quelque chose. Et puis, j'y ai fait des choses. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre en ce moment où je raconte tout cet épisode en racontant justement les reportages que j'ai faits. Et votre question, c'est-à-dire la teneur de l'élément russe, où est-ce qu'on est contrôlé, où est-ce que, qu'est-ce que RT me demandait de faire ou de pas faire, ça, je réponds à ça. Mais là n'est pas la question. Sur la question, vous m'avez posé la question du front, d'aller du côté russe. Il y a un an et demi, j'ai passé le mois de juillet en Afghanistan, la veille du retour des talibans au pouvoir à Kaboul. C'est vrai, un excellent documentaire voilà. D'ailleurs qui s'intitulait « Kaboul au cœur des talibans ». Exactement. Un modèle du genre que je recommande aux ceux qui voilà, regardent. Voilà, qui est paru chez Canal+, sur Canal+, qui était un des documentaires qu'on peut toujours trouver sur la plateforme de Canal+. J'ai passé à ce moment-là, et j'avais déjà passé beaucoup de temps, avec les talibans lors d'autres reportages qui m'ont montré leurs tribunaux de la charia, la façon dont ils géraient les crèches, les maternités, etc., etc. Des moments quand même très... leur façon de combattre, leur façon... j'ai eu l'occasion... pour ce documentaire aussi, d'aller avec l'armée afghane, presque aux abois, mais j'ai passé 4-5 jours avec les talibans. Personne, au moment où ce documentaire ne m'a suspecté d'avoir supporté la propagande des talibans, qui pourtant sont revenus au pouvoir, font aujourd'hui ce qu'ils me disaient qu'ils allaient faire dans le documentaire, on ne m'a pas dit « Régis Le Sommier, ce pro-taliban ». Donc pourquoi est-ce que, parce que je vais avec les Russes et que je raconte la réalité du front de leur côté, je devrais me transformer en agent de propagande de Poutine ou je ne sais quoi ? J'ai 27 ans de reportage. Ce que je veux dire, c'est que je vais lutter toute ma vie. J'ai 54 ans, je n'ai pas changé. Je ne vais pas tout à coup me dire « Ah ben non, maintenant il faut que l'orientation elle soit orientée et puis qu'on vante un certain truc, etc. etc. » Non, pour moi, le journalisme, ça obéit à des bases, des règles. Je vous donnais l'exemple d'Orwell, c'est le meilleur exemple, je pense. Et je pense qu'Orwell, à son époque, était aussi critiqué pour critiquer son propre camp. Et ça, je pense que c'est notre vocation, elle est là. On est on pose un regard sur le monde, on essaye de donner des clés, on essaye de faire comprendre des choses à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous lisent. Et c'est à eux de se faire l'opinion. C'est pas à nous de dire « Ah oui, lui, c'est un méchant, attention, lui, c'est un gentil ». Il y a une espèce de manichéisme absolument
hallucinant qui s'est développé aujourd'hui. Heureusement, je dirais, contrebalancé quelque part par la diversité des médias qui, elle, par contre, a explosé. Il n'y a plus des canaux de transmission officiels aujourd'hui. Il y en a. Pour ça que vous me parlez du Libé et du Monde. Il y a 10 ans, ça m'aurait beaucoup embêté. Aujourd'hui, franchement, c'est des journaux agonisants et voilà, et qui sont subventionnés, hélas, par nos propres sous et par vos impôts à moi et à vous. Voilà. Eh bien justement, cette Russie-Poutine, on va en parler, c'est le sujet de ce premier débat, tout de suite. Info et intox sur la Russie de Poutine. Comment expliquer la faiblesse de l'armée russe? À l'inverse, quelle est la source de la résistance de l'économie russe? Quelles sont les conséquences sur la légitimité de Vladimir Poutine et sur l'avenir du régime? Voilà. Donc, nous sommes au cœur de l'actualité. Cette fois, les sociétaires vont pouvoir participer. Donc, sans plus attendre, on aborde ce premier débat de la soirée sur la Russie, donc, et sur la guerre en Ukraine. Donc, on le rappelle pour ceux qui viendraient de nous rejoindre. Donc, Régis Le Sommier, vous êtes rendu sur le champ de bataille. Vous avez donc fait ce documentaire. Donc, on le rappelle, Ukraine, ils ont accepté leur mort. Donc, disponible depuis donc aujourd'hui seulement. Donc, merci d'être le premier. Je pense, d'avoir accepté notre invitation pour être parmi, je pense, les premiers médias à en parler. Vous êtes rendu donc sur le champ de bataille. On va revoir quelques extraits dans un instant. Alors, vous avez été donc du côté russe, je l'ai dit. Votre témoignage et vos analyses sont donc plus qu'intéressants donc, pour comprendre ce qui se passe réellement à l'est de l'Europe. Alors d'abord, quels sont, avant de donner la parole aux premiers qui veulent la prendre. Oui, il faut qu'ils parlent. Oui, oui, ils vont parler, mais je pense que vous allez voir, ils vont parler. Pour vous poser des questions. Pour ça, les enseignements généraux que vous avez tirés de cette rencontre avec les troupes russes, si vous deviez en retenir juste quelques... Que les troupes russes ont des défauts qui peuvent expliquer pourquoi elles ont été moins performantes que ce qu'on attendait, voire qu'elles ont... elles ont opéré dans cette première partie de guerre, enfin cette première année de guerre, de façon très étonnamment désordonnée, qu'il y a eu ces retraits, ces avancées, ces... Enfin, voilà. Qu'est-ce qui distingue ce conflit des autres conflits, d'ailleurs? Pour moi, c'est justement précisément que c'est une guerre conventionnelle. C'est une guerre conventionnelle, une guerre de front avec deux armées qui combattent avec des armes à peu près équivalentes des deux côtés. Quoi. C'est-à-dire qu'on a des fronts, justement, c'est pour ça que c'est extrêmement meurtrier, où chaque adversaire a des performances. Parfois, l'OTAN, par exemple, moi j'ai pu le constater, avec l'introduction des missiles HIMARS fin juin, quand je suis arrivé en septembre, les Russes étaient à la peine. Pourquoi ? Parce que ces missiles sont extrêmement performants, ils peuvent voler 40 km et cibler un objectif à un mètre près, et ils ont fait absolument des ravages dans les dépôts de munitions russes, qui avaient le malheur d'être concentrés de façon un peu trop évidente et un peu trop visible. Donc il y a eu une correction par rapport à l'avantage russe sur le terrain, qui était très numérique, très avec un armement massif, avec de l'artillerie, etc. Cet armement-là, en particulier, a causé beaucoup de problèmes aux Russes. Donc ça, c'est intéressant. Il faut aller sur le terrain pour se rendre compte de ça. Alors, vous savez quoi? Je vous propose, juste avant de donner la parole donc à Myriam, de regarder un nouvel extrait de ce documentaire. C'est une visite du camp militaire où sont formés les jeunes recrues avec des entraînements, justement, au tir. Et on réagit juste après. Devant moi, un soldat qualifie la brigade de CVK, Société Militaire Privée en russe. Wagner aurait-il fait des petits? Bénéficier de l'expérience des anciens sans avoir à comptabiliser les morts, c'est le principe de la nouvelle armée de l'ombre de Poutine. C'est l'irruption sur le champ de bataille d'un mélange de soldats de fortune, d'ex-force spéciale, encadrant une troupe de tollards, motivée autant par l'appât du gain que par le rachat par le sang versé. On a beau les décrier comme symbolique de la guerre la plus sale, celle où la Ligue de l'Humanité s'en va fouler aux pieds les conventions de Genève, difficile de ne pas reconnaître qu'avec la conquête de Soledar, Wagner a changé le jeu en partie. Au début de la guerre, Poutine avait ses Tchétchènes, mais leur manie d'hurler « Allah Akbar » à tout bout de champ envoyait un message ambigu au monde. Sans compter que, côté performance, il n'était pas très convaincant. Des images très fortes, quand vous les revoyez, ça vous remue, je pense encore.
Plus la première, la première extrait que ça, là on est à l'entraînement, hein, on explique par contre que sont, que ceux que vous voyez là tirer ou apprendre à tirer sont les, font partie des 300 000 mobilisés de la mobilisation générale, pas générale, partielle, décrétée par Poutine en septembre. Hein. Ça fait partie des troupes qui viennent renforcer les Russes sur le front et qui aujourd'hui leur redonnent un avantage par rapport aux Ukrainiens qui, eux, il y a un problème de masse critique, vous savez, entre la Russie et l'Ukraine. La Russie, c'est 120 millions d'habitants, une armée de 300 000 hommes, et puis l'Ukraine, c'était 100 000, 150 000 hommes, avec 35, 40 millions d'habitants. Donc forcément, là, ça va se poser. Et là, Poutine a été capable de mobiliser ses troupes. À l'époque, je rappelle que quand on a appris qu'il allait faire cette mobilisation, on disait, ça y est, les Russes sont aux abois, c'est fini, etc. Là, je trouve que, pour répondre à votre question tout à l'heure, je trouve qu'ils m'ont assez surpris par cette capacité, justement, d'intégrer leurs erreurs. Ils se sont mis dans des positions défensives qui sont très, très difficiles à conquérir, qui coûtent beaucoup de sang et d'armes aux Ukrainiens pour essayer de grignoter quand ils arrivent à le faire. Et au contraire, les Russes ont solidifié vraiment le front, ce qui n'était pas le cas. Et donc là, aujourd'hui, voilà ce que vous avez vu, c'est une partie des hommes qui viennent renforcer les positions des Russes. Alors, Myriam Palamba, qui, j'ai cru comprendre, vous a côtoyé dans le groupe Lagardère, veut vous poser une première question. Oui, je suis très admirative de ce que fait Régis, parce que il faut énormément de courage pour faire ce type de journalisme, et c'est pas donné à tout le monde. Et je sais que dans les médias actuels, ce qu'il fait notamment pour Omerta, il aurait peut-être pas pu le faire, en tout cas aujourd'hui, pour des médias plus conventionnels. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un peu dans quel état d'esprit, comme vous avez été des deux côtés, Ukraine et Russie, dans quel état d'esprit sont les soldats? Est-ce qu'ils sont derrière leurs gouvernants? Est-ce qu'ils croient à l'utilité de cette guerre? Parce que c'est vrai que nous qui sommes ici en France, on nous dépeint une image. Alors, les gentils Ukrainiens, les méchants Russes, il y a d'un côté les ukrainiens. Moi, personnellement, je suis ni pro-ukrainienne, pro-poutine. Je me dis, quel est l'intérêt de cette guerre? A-t-elle un sens véritable? Mais aussi bien que ce soit les soldats que les gens qui vivent sur place, dans quel état d'esprit est-ce qu'ils comprennent ce qui se passe? Est-ce qu'ils n'ont pas l'impression d'être jetés à l'abattoir pour rien? Enfin, dans quel état d'esprit sont-ils? Il y a diverses opinions sur la question des motivations. On a de part et d'autre des gens qui sont très motivés. Là encore, par rapport à ce qu'on a pu entendre dans certaines analyses, les Russes n'auraient pas su pourquoi ils étaient là, ils auraient été mobilisés de gré de force et puis envoyés à l'abattoir, et du coup ça expliquerait que le front russe, enfin le côté russe du front est démoralisé, etc., etc. J'ai entendu ça. Moi, ce que j'ai vu à plusieurs reprises, hein, c'est pas la première unité avec laquelle je suis, c'est que cet argument, il est pas recevable. Il y a eu des unités qui ont moins bien combattu que d'autres, mais ça, il y en a eu aussi côté ukrainien. Mais la motivation pour les Ukrainiens, c'est de défendre leur nation. Donc c'est une motivation extrêmement forte. Et les Russes, ça c'est un élément qu'on sous-estime en disant oui, ça fait partie des délires de Poutine, alors ce que Poutine appelle la dénazification, on a l'impression qu'en face, oui, il est en train de se battre contre des nazis. En fait, Poutine joue sur une corde extrêmement sensible chez le Russe de la rue, qui est justement ce souvenir de la Seconde Guerre mondiale. On peut pas comprendre... On l'a vu avec les chars, notamment. Avec les chars allemands, que Poutine a utilisé, évidemment, pour, commémorer la bataille de Stalingrad, en disant, on voit des chars avec la croix noire qui reviennent en Ukraine. On ne peut pas comprendre ce qu'a été cette perte de 20 millions d'hommes pendant la Seconde Guerre mondiale, cette espèce de saignée qu'ont subi les Russes, d'ailleurs qui se reflète encore aujourd'hui dans leur natalité. La Russie n'a jamais récupéré cette perte de plus de 20 millions d'hommes de la Seconde Guerre mondiale, donc son problème démographique vient à la base structurellement de ça. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important, et c'est pas simplement un délire de Poutine, c'est une caisse de résonance extrême. Et quand les soldats combattent, je vous donne juste un exemple, ils savent où ils sont. On s'est retrouvé dans une forêt, au milieu d'une forêt, et un vétéran de l'Afghanistan, là, m'expliquait que, m'a montré des tranchées. Et j'ai dit, c'est quoi? C'était des tranchées allemandes
de 1942, c'est là qu'était parti le général Manstein, qui était le général allemand, qui avait fait une offensive en 42 victorieuse contre Kharkov. D'ailleurs, vous plongez dans les bouquins d'histoire, il y a eu 6 batailles de chars pour Kharkov. Kharkiv aujourd'hui, puisque c'est le terme ukrainien. C'était la plus grosse, ça a été ce qu'on appelait la bataille de Koursk. C'est la plus grosse bataille de chars de toute l'histoire du monde. Les Russes, vous savez combien les Russes ont gagné sur ces 6 batailles? Ils en ont gagné une, la dernière, et les Allemands sont partis. Donc vous imaginez, entre 41 et 44, hein, cette terre a été labourée par une histoire qui est encore vivante chez les Russes. Et donc, leur motivation à eux, alors quand en plus ça nourrit un discours anti-occidental, ça vient s'agglomérer à un discours anti-occidental de l'Amérique, évidemment, bah là, toujours la puissance du capitalisme, etc. Plus l'Amérique qui maintenant semble, alors pour eux, à leurs yeux, soutient LGBT, les mouvements gays, etc., etc. Pour eux, c'est la destruction de la famille. Donc c'est un combat qu'ils considèrent, eux, comme civilisationnel. Et moi, là où j'ai été surpris, c'est que c'est pas des intellectuels qui vous disent ça. C'est des gens qui étaient maçons, qui bricolaient dans leur garage en Crimée avant le déclenchement, et qui ont répondu à l'appel parce qu'ils avaient des expériences militaires. Ils disent, nous, moi, ça y est, je viens défendre la patrie. C'est la guerre de mes grands-parents, je continue. Voilà. Donc, quand vous avez une motivation comme ça d'un côté et une motivation nationaliste où on défend sa patrie, qui est celle des Ukrainiens, et on ne peut pas leur en vouloir, bah vous avez un conflit extrêmement, extrêmement sanglant et disputé. Mike Borowski. Alors, déjà, je souhaitais saluer votre courage, parce que quand même, il faut y aller. Et puis, il faut savoir que quand même, le journalisme de guerre, bah, c'est quelque chose quand même qui se perd aujourd'hui. Et être critiqué par des gens qui habitent la rive gauche de Paris et qui, pour qui, dépasser le périph, c'est une aventure. Donc bon, bah, franchement, c'est même une médaille. Après, ne serait-ce que pour répondre déjà à la question, parce que c'était comment expliquer la faiblesse russe. C'est pas compliqué à expliquer. C'est que les Russes tout seuls, n'ont jamais gagné une guerre à l'Ouest. Voilà, faut dire les choses. C'est comme ça, hein. Ils n'ont jamais réussi, par exemple, la Seconde Guerre mondiale, c'est parce qu'il y avait deux fronts. Ils n'ont jamais réussi à vraiment gagner. C'est pas réellement une grande armée. Alors, on a en France l'impression que le Russe, c'est Ivan Drago de Rocky IV et que c'est le gars balèze, méchant. Mais c'est pas vraiment ça. En plus, c'est pas vraiment un peuple homogène. Enfin, moi, je dis ça parce que moi, je suis un binational, je suis polonais. Hein. Donc, il faut que je dise du mal un peu. On me regarde. C'est normal, hein. Là, vous savez, on me regarde. Hein. Et on me juge. Tu as un parti pris, mec. Voilà. Et moi, je me rappelle quand j'étais môme en Pologne, à la fin du communisme, dans les années 80, quand le communisme est tombé, moi, je voyais les Russes, ils pleuraient, hein, parce qu'ils savaient que là-bas, quand ils retournaient chez eux, ils allaient manger des cailloux et des fèves. Et que ça ils ne voulaient pas. Voilà. Donc, moi, je les voyais avec leurs chaussures trouées. Bon, je n'ai pas énormément de respect pour cette armée qui est pour moi une petite armée. Vous en aviez pas mal, Jaruzelski, aussi. Quelques communistes polonais hauts en couleur. Très très hauts en couleur, même. Très très hauts en couleur. Voilà. Question. Mais du coup, c'est pourquoi avoir choisi, mais je ne juge pas, hein, pourquoi avoir choisi le côté russe et pas peut-être le côté ukrainien ou peut-être même les deux côtés pour le coup. Alors moi, je suis allé pour le Figaro Magazine en avril, pendant 10 jours, côté ukrainien, où j'ai suivi des volontaires. Alors c'était intéressant parce qu'on parlait d'Orwell tout à l'heure et de la guerre d'Espagne. J'ai eu l'impression, alors ça, c'était une courte période, où ces jeunes qui allaient s'enrôler dans ce qu'on appelle la Légion ukrainienne, où il y a d'ailleurs beaucoup de Polonais, qui combattent d'ailleurs sur les fronts du Donbass, ces jeunes ressuscitaient, c'était très intéressant dans leur esprit. Il y avait un ancien militaire, il y avait un type qui était dans la sécu, qui voulait tâter de la guerre, quoi. Et puis un gauchiste français un peu zadiste, qui lui venait... Alors ce qui était très intéressant, c'est que deux d'entre eux, le militaire et celui qui était donc de gauche, avaient combattu ensemble au Rojava. Donc, avec les Kurdes. Donc, ils avaient déjà une expérience militaire contre Daesh. Ils avaient rejoint les Kurdes. Il y avait déjà ce mouvement, voilà. Et quand je me suis retrouvé en Ukraine, j'avais un peu l'impression de me retrouver un peu dans la guerre d'Espagne, avec des références où le monde entier vient au secours d'une nation agressée, injustement.
Je répète que moi, j'ai condamné cette guerre dès le début. Je trouve que c'est une agression d'un pays souverain par un autre. Après, moi, je suis pas pro-ukrainien, et loin de là, parce que non, pour moi, les Ukrainiens et les Russes, c'est la même chose. Mais pourquoi... Ils n'ont pas toujours été sympas avec les Polonais, je crois. En plus, donc ça, on n'oublie pas. Ouais. Mais du coup, j'ai une question, mais parce que pour moi, il y a une troisième voie. Il y a une troisième voie sur laquelle il faut aller. C'est-à-dire démanteler ce qu'est l'Ukraine, l'ouest, partie ouest de l'Ukraine, qui a toujours été polonaise, toujours. Pour l'expansion de la Pologne. Oui, d'accord. Pour le coup, oui. Mais moi, je suis pour aussi que les Russes prennent leur part, d'accord. Qui est l'est de l'Ukraine. Tu considères l'Ukraine comme un non-pays qui serait à partager entre les... Oui, okay. Très sincèrement, oui. Bon, là, on va peut-être pas faire un débat sur la Pologne, si vous voulez bien. Non, c'est pas. La France pourrait, par exemple, parce que la France a toujours soutenu la troisième voie, une forme de troisième voie, la France pourrait rentrer dans cette troisième voie. Allez, Christopher, là. Bon, je crois que ta troisième voie, on va entendre. C'était compliqué avec deux, alors trois. Voilà. Christopher. Oui. Moi, il y a une question que je me suis toujours posée sur cette guerre depuis le début. Je vais vous donner mon ressenti pour commencer en tant qu'observateur et ensuite je vous poserai la question. Poutine avait annoncé que son but de guerre c'était Kiev et qu'il allait mener une guerre éclair. On voit bien que ça n'est pas le cas. J'ai été surpris d'ailleurs parce que les Russes sont un peu embourbés, les lignes sont assez figées. Vous dites que les Russes ont bétonné leurs lignes. Donc j'ai l'impression depuis le début qu'il ne s'agit pas d'une guerre totale, une vraie guerre de conquête et d'anéantissement qui a été menée de toutes ses forces par la Russie. Bon, déjà, je pense que le facteur de la dissuasion nucléaire empêche l'OTAN et la Russie d'entrer en contact direct. Et que je pense que si Poutine avait voulu mener une vraie conquête, une conquête d'anéantissement, une guerre éclair comme il l'a dit, ça se serait fait en quelques jours. Alors vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, parce que les Allemands, quand ils arrivent en France en 40, ce qui était là une vraie guerre, entre guillemets, en 3 semaines, la capitulation est déposée. Là, ça fait des mois qu'on y est, et encore, en 40, c'était deux puissances plus ou moins équivalentes. Puisqu'on est même arrivé à un an, donc c'est quand même incroyable. Bien sûr, en 40, c'était quand même deux puissances assez équivalentes, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne de l'autre côté. Là, l'Ukraine, par rapport à la Russie, c'est rien du tout. La Russie est un mastodonte, et je m'étonne moi-même du fait que cette guerre s'enlise à ce point, ce qui me fait m'interroger et me dire que Poutine avait en réalité des buts de guerre qui étaient déjà une réaction à l'expansion de l'OTAN, mais surtout des buts territoriaux pour ce qui est des régions de l'Est, Donetsk et Lugansk, qu'il avait des buts de guerre, qu'il les a pris. Vous dites qu'il a bétonné la ligne. Est-ce que maintenant, vous pensez que Poutine estime qu'il a atteint ses buts de guerre, c'est-à-dire l'Est de l'Ukraine, et qu'il essaye de s'engager dans un bras de fer avec la communauté internationale pour faire accepter cette conquête comme il a fait accepter la Crimée? Pas accepter... C'est très difficile. Ça demande beaucoup de... En fait, le problème avec Poutine, c'est qu'il y a un peu trop de gens, un peu trop de personnes qui savent ce qui se passe dans sa tête, en tout cas qui essayent de vous expliquer ce qui se passe dans sa tête, et assez peu qui, en réalité... Il est malade ou il n'est pas malade? Écoutez certains confrères, il en est à son 15e cancer, il avait Alzheimer. Alors, le problème, c'est qu'à chaque fois, quand, pour le coup de Parkinson ou d'Alzheimer, enfin, il avait les deux, et puis, tout à coup, on le voit faire un discours de 4 heures, sans notes, devant une assemblée à Saint-Pétersbourg. Bon, personne, à l'époque, s'interroge, se dire que peut-être que Joe Biden n'est lui-même pas capable de faire ça. 4 minutes, mais, je pense que c'est déjà beaucoup. Mais bon, on continue. Peut-être. Alors après, on va expliquer que c'est de la psychiatrie, qu'en fait, il est fou, qu'il a un cancer. Moi, j'ai même vu ça. Il a un cancer, donc il est encore plus haineux. Et donc, du coup, il est encore plus... Enfin bref. Et ce qui est intéressant, c'est de reprendre dans l'histoire, à chaque fois qu'on a désigné un méchant dans le monde... Je ne dis pas que Poutine est gentil, hein. Mais à chaque fois qu'on a désigné, souvenez-vous, Saddam Hussein, c'était pareil. Il allait être renversé par un général, on l'avait... Enfin, mais là, Poutine, il n'est pas sur la sellette dans son pays, non? Il est sur la sellette comme il a, à mon avis, toujours été, avec plus ou moins de contrôle de l'appareil. Il y a des personnalités, ce qui est quand même intéressant dans ce conflit, c'est que vous regardez en Russie, il y a des personnalités avec des tonalités et des intérêts différents, voire divergents, qui ont émergé. Avant, vous aviez le tandem Poutine-Lavrov, point. Aujourd'hui, vous avez Medvedev, qui parle de temps en temps, qui dit des choses, d'ailleurs, souvent un peu plus ultra. Quand il avait repris le maire, on s'en souvient. Voilà. Et puis, vous avez le sulfureux Yevgeny Prigogine, qui, lui, avec sa combinaison Wagner, arrive. On dit, à chaque fois, on dit c'est nul au départ. Et puis après, on se dit, mince, il a quand même réussi à fixer l'armée ukrainienne
enfin, son initiative avec ses Wagner sur la zone de Bakhmout. Moi, je regarde les éditos, vous parliez de Libération, les titres de ce que Luc Mathieu, qui est grand reporter à Libération, était allé à Bakhmout en octobre, et il racontait que ça n'avait aucun intérêt stratégique, que tout ça était, c'était les Wagner, qui étaient évidemment les plus horribles du monde, faisaient essayer d'obtenir une bataille pour... Mais en réalité, ce qui s'est passé à Bakhmout, c'est que l'offensive ukrainienne s'est arrêtée. On peut après gloser sur le pourquoi les Russes n'ont pas vraiment progressé, oui, mais en tout cas, il n'y a plus d'offensive ukrainienne. Alors cette offensive, elle a été quand même relativement conséquente. Bon, le retrait de Kherson a aidé les Ukrainiens, il a été considéré, il peut être considéré comme une victoire ukrainienne, mais ce qui s'est passé, c'est que Bakhmout a focalisé médiatiquement l'attention sur Wagner. Il y a eu la conquête de Soledar. Et ces points-là ont montré que dans le dispositif ukrainien, il commençait à y avoir quelques craquements. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez cette spéculation sur une étape de plus vers l'armement, les chars lourds, les avions, parce qu'on y viendra. Ça correspond en réalité à un constat qui est fait sur le front d'un possible effritement côté ukrainien. Que nous, on sentait, c'est-à-dire que quand on a passé ces 10 jours avec les Russes, moi, je n'ai pas du tout senti, vous ne me posiez pas la question des enseignements, je n'ai pas du tout senti des troupes donc, ni démoralisées, ni... elles étaient plutôt... elles étaient dans une forme de grignotage, elles n'étaient pas encore passées à l'offensive, mais on sentait quand même qu'il y avait une poussée véritable, qu'en termes d'éléments et de chars lourds, il y en avait partout. Pendant ce temps, je vous dis, les Occidentaux tergiversaient à Rammstein pour savoir s'il fallait envoyer des chars, etc. Et comment, quelque part, on comprend que côté ukrainien, il y a eu des problèmes d'approvisionnement, il y a eu des problèmes de munitions, un certain effritement qui est en train de se produire, et que les Occidentaux sont en train de se dire, attention, cette guerre, maintenant, c'est à nous de la soutenir. Et les États-Unis, ce qui est toujours intéressant, Emmanuel Macron. Enfin, de quoi ? De soutenir cette guerre et donc... Emmanuel Macron, c'est très difficile de savoir ce qu'il fait parce qu'un temps, il dit « je vais essayer d'appeler Vladimir Poutine, je vais essayer de jouer une carte, machin ». Et puis en réalité, après, il va... La vraie question, en fait, c'est une question de chef et une question de courage. Soit on soutient les Ukrainiens, dans ces cas-là, on y va. Moi, je l'ai dit depuis le début, hein. On décide que l'Ukraine, la frontière de l'Ukraine, là, c'est le monde libre, et on reprend les vieilles formules de la guerre froide. Et dans ce cas-là, on a des leaders comme Churchill, on a des leaders qui disent « attention, il faut se méfier de Staline, attention, il faut lui montrer les dents, parce que si on ne lui montre pas les dents, il va nous bouffer ». Aujourd'hui, on a Macron, quoi. Donc voilà, et le problème, c'est qu'on a des leaders qui n'ont jamais connu de guerre, d'ailleurs. Ça, c'est aussi une chose qui est... Vous regardez Ursula von der Leyen, vous regardez Emmanuel Macron, Boris Johnson, c'est des gens qui n'ont... Vous aviez Jacques Chirac... Il n'est pas allé en Irak. Jacques Chirac, qui connaissait la guerre dans les pays arabes, la guerre d'Algérie. Il sait ce qu'est le prix de la guerre. Souvenez-vous, je prends souvent cet exemple parce que je l'ai un peu côtoyé, on s'entendait bien, ce qui était Colin Powell. Colin Powell, j'ai interviewé 3 fois. J'ai fait un voyage diplomatique avec lui. Colin Powell, c'était le plus modéré du gouvernement Bush au moment du départ de la guerre en Irak. Et il y a une anecdote célèbre, c'est que je crois que c'était le 5 mars, quelques jours avant le déclenchement de l'opération, George Bush, qui aimait quand même toujours savoir ce qu'il y avait dans la tête des gens qu'il avait autour de lui, l'invite dans le bureau ovale et lui demande « Colin, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de la guerre ?» et de la guerre qui va commencer, puisque voilà, vous êtes embarqué, je sais très bien que vous n'êtes pas très pour, mais voilà. Et Colin Powell lui dit, l'Irak, c'est la règle du magasin de porcelaine. Tu casses quelque chose, tu le payes et ça t'appartient. Je trouve que c'est la meilleure définition de quelqu'un qui a connu le Vietnam dans sa chair et dans la jungle et qui est amené aux commandes et du coup hésite et se dit, la guerre, c'est très facile de la déclencher. Après, alors celle-là, c'est Poutine qui l'a déclenchée, si vous voulez. Mais si on veut la faire... Et si on ne veut pas qu'elle se fasse jusqu'au sang du dernier Ukrainien, comme malheureusement certains hommes politiques, je pense à Lindsey Graham aux États-Unis, ont utilisé ce terme, si on ne veut pas que ce soit... Si on est vraiment attentionné à ce que le monde libre se joue en Ukraine, dans ce cas-là, on y va. Greg. On a plus beaucoup de temps, donc je vais essayer juste de vous poser deux questions assez rapides. Vous avez été il y a un an du côté ukrainien pour couvrir le conflit, vous y avez été maintenant. Est-ce qu'en un an, vous avez vu
une évolution dans l'intensité du conflit ou dans les... Ah oui, incontestable. Dans les emplois tactiques, dans la mentalité, alors, dans l'investissement, dans l'intensité même de la ligne. Les Ukrainiens, je ne me suis pas tellement approché des lignes de front parce que c'était compliqué. C'était toujours d'ailleurs un peu compliqué pour les journalistes. Bah, certains y arrivent, accèdent aux lignes de front et ont fait des travaux magnifiques côté ukrainien. Mais non, c'était compliqué. Il y avait un pays qui était sous le choc. Moi, le mois d'avril, je me souviens d'être dans Odessa, de discuter avec la population, vous savez, ce qui se passe en guerre, c'est qu'on essaye de faire comme s'il n'y avait pas de guerre. C'est-à-dire qu'on a une espèce de surenchère d'activité. La ville d'Odessa, qui est une ville où il y avait pas mal de fêtes, il y avait pas mal de beaucoup de techno, d'ailleurs, une musique bien meilleure que du côté russe. La techno ukrainienne, très très bien. Et il y avait cette idée de la fête, sauf qu'il n'y avait plus personne. Donc vous aviez ces restaurants du bord de plage où tout était désert, mais vous aviez quand même encore des salons de tatouage qui marchaient, des magasins d'informatique, où on trouvait un peu de tout. Et en même temps, à côté, une économie de guerre qui était en train de se mettre en place. On se mentait encore un peu sur le, c'est ça, sur le fait qu'on y était pas. Non, les Ukrainiens, vous aviez des surplus militaires, des choses, voilà. Donc il y avait une activité énorme. Et puis le soir, ces fameux missiles Iskander qui passaient dans le ciel rouge, ces espèces de flamèches rouges et qui allaient frapper ça, c'est les missiles russes avec les alertes. On partait dans la cave. Et puis une atmosphère, je vous dis, nous on était à l'auberge de jeunesse d'Odessa, je me souviens très bien, on prenait le petit-déj dans une espèce de cuisine trop petite avec un géant suédois, un tchétchène, on avait même son truc, voilà. Mais il y avait un truc un peu boy scout improvisé, et puis cette idée de cette espèce de frisson d'aller à la guerre, de combattre, voilà. Il y avait beaucoup de gens comme ça qui circulaient en Ukraine. Donc c'était ce mélange d'atermoiement parce que la guerre, elle était réelle, mais elle n'avait pas encore détruit l'infrastructure, elle n'était pas encore, elle n'avait pas encore abîmé la population à ce point. Donc c'est difficile de faire la comparaison. Maintenant, je peux la faire pas à travers des confrères avec qui je discute, qui étaient à Bakhmout côté ukrainien. On ne fait pas ça quand on est là-bas, mais quand on revient, évidemment, on échange. Moi, j'ai parlé avec Dorothée Olieric, qui est de France 2, qui est une copine, et qui, elle, était à Bakhmout, dans les tranchées à Bakhmout, bon, pour essayer de comparer, de se dire, tiens, en termes d'intensité, qui étaient les gars en face, etc., etc., quand on se pose des questions. Myriam, le deuxième, rapidement. Et justement, tu étais en tant que... Enfin, pardon, vous y étiez en tant que Français. Et on a des médias francophones qui insistent beaucoup sur l'animosité des représentants russes vis-à-vis spécifiquement de la France et des déclarations qu'on avait entendues, la France est un pays qui ne devrait pas exister. Et puis on a le grand prêtre de l'Église orthodoxe de Russie, lui, il ne nous aime pas du tout. Et justement, vous qui étiez au contact de ces soldats-là, en tant que Français, est-ce qu'ils vous ont posé des questions sur l'attitude de notre diplomatie? Est-ce que vous avez senti un ressentiment particulier de ces soldats russes vis-à-vis de la France? Et puis surtout, est-ce qu'ils ont peur de Bruno Le Maire? Non, ils connaissent pas beaucoup, ils connaissent pas Bruno Le Maire. Ils ont, alors les Russes, ça par contre, j'ai fait un long voyage en train, là, c'était en septembre, j'ai fait 19 heures dans un train, un taco qui partait de Rostov et qui est arrivé à Moscou. Là, j'ai eu le temps de discuter un peu avec les gens. Là, leur question principale, c'est ils nous faisaient glagla en nous demandant si on avait froid à cause du gaz. Voilà, ce genre de choses, ou des questions... Ils se foutent bien de nous, quoi. Non, mais des questions assez... ils sont un peu intrigués par notre président aussi, ça revient assez souvent. Voilà, on n'arrive pas toujours à définir pourquoi, mais bon, il y a une sorte d'interrogation autour de la personne de Macron. Et sinon, non. Ce qui est assez fantastique avec la France... C'est que ça m'est déjà arrivé. Je suis allé en Syrie, dans des endroits où la France n'était pas du tout bien vue. J'étais avec des gens. Salut Laurent Fabius. Et voilà, oui. Mais où on avait déserté le terrain. Mais malgré tout, il reste un truc qui fascine les gens à propos de Paris, à propos de bon, évidemment, ils l'ont peut-être pas vu sous Madame Hidalgo, mais enfin voilà, cet amour de la France continue à transcender tout, même indépendamment des rivalités présentes et du fait qu'on ne soit pas plus du tout dans le même camp, quoi. Allez, on va bientôt clore ce premier débat. Myriam. Non, mais je trouve ça passionnant et c'est intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un qui a été sur place et qui a pu parler avec les gens. Moi, tout à l'heure, vous disiez que
que en fait, les Russes se sentaient un peu investis d'une mission civilisationnelle, parce qu'ils avaient l'impression que l'Ukraine représentait tout ce qui ne correspondait pas à leurs valeurs, si j'ai bien compris tout à l'heure. Ah non, 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 ils ont l'impression que l'Ukraine, c'est eux. Ils ont l'impression que l'Ukraine, c'est eux, ça y est. Oui, c'est-à-dire que c'est un pays qui n'existe pas. D'accord. Non, mais ils vous disent, voilà, je vous dis, je transcris, la plupart des Russes pensent que l'Ukraine est un État fantoche et que, voilà, et qu'en gros, ils sont tous frères slaves. Et que voilà, ils ont été manipulés par l'OTAN, par les nazis, et voilà, d'Azov, et donc du coup, ils viennent sur le terrain pour refaire la guerre de leur grand-père. Parce que voilà. Cette guerre, elle existe depuis 2014, et on a quand même le sentiment que de part et d'autre, il y a des accords, notamment les accords de Minsk, qui n'ont pas été respectés, notamment par l'Ukraine et par le monde occidental, comme si le monde occidental avait fait faire ses accords à Poutine dans le but, voilà, peut-être de permettre à l'Ukraine de s'armer ou de monter en... Vous retranscrivez exactement les propos d'Angela Merkel. Voilà, exactement. Au journal Die Welt, il y a un mois. Enfin, je ne savais pas qu'elle avait dit ça. Si, mais si, elle a dit exactement ce que vous avez dit. Voilà. Tu es merkeliste. Ouais, mais du coup... Toujours un côté Angela Merkel. Ouais. Non, mais du coup, on a quand même le sentiment que cette guerre pourrait être évitée et qu'on se demande... Enfin, moi, qui suis peut-être un peu, voilà, on va me traiter de complotiste ou quel esprit tordu, je me demande toujours à qui profite le crime. Parce que je me dis, là, on envoie plein d'armes, on ne cherche pas du tout la voie diplomatique dans ce conflit. Et c'est les gens sur place, par exemple. Et c'est les gens sur place qui crèvent, quoi. Enfin, c'est juste atroce. Donc, je ne comprends pas le rôle de l'Occident. Je ne comprends pas le rôle de Poutine et surtout, et je ne comprends pas cette aura qu'il y a autour de Zelensky, comme si c'était un grand chef de guerre. Voilà. Bon, d'abord, l'escalade, le risque de guerre nucléaire, vous n'y croyez pas? Je pense que c'est un risque qui peut intervenir aujourd'hui dans le cadre d'un écroulement des troupes russes sur le front. Oui, Poutine pourrait être tenté d'une aventure. De pousser au-dessus et d'utiliser l'arme nucléaire, c'est possible. Contre qui ? Contre des intérêts en Ukraine, et puis progressivement, si les choses s'enveniment, on pourrait arriver à la guerre nucléaire totale. C'est pas une impossibilité, c'est ça qui est terrible. Surtout qu'il y a la Chine avec lui, quand même. On pourrait arriver à la guerre nucléaire totale, c'est très fort, ce que vous dites là, c'est incroyable. C'est un conflit qui est d'une dangerosité extrême. Mais actuellement, personnellement, non, je pense que les objectifs sont limités. Pour une raison, c'est que les Occidentaux livrent du matériel, mais qui ne rentre pas directement dans le cadre de la co-belligérance. Alors Poutine pourrait décréter que les quatre oblasts qu'il a fait rejoindre la Fédération de Russie sont la terre sacrée de la Russie, et que envoyer des obus sur ce... c'est s'attaquer à la Russie. Mais en fait, il ne le fait pas vraiment. Par contre, ce qui pourrait faire qu'on monte encore d'un degré, serait l'emploi de ces armements dans le cadre, notamment des missiles à longue portée, que les Américains, pour le moment, refusent de donner aux Ukrainiens. Ils ont donné des moyennes portées, mais on n'a pas encore des missiles à longue portée. Donc, pour le moment, ils n'ont pas donné l'autorisation aux Ukrainiens d'attaquer avec leurs armes la terre, enfin le territoire russe. S'ils le font, là, on rentre dans une autre dimension. Là, on est dans la co-belligérance. Là, on est plus que des alliés de l'Ukraine. Mais il n'y aura pas de co-belligérance. Et puis, la guerre... Très vite, très vite. La guerre, ça, c'est bon pour l'Occident. Enfin, quand je dis que c'est bon pour les élites. Parce que comme ça, le président peut dire, Madame Michu, attention, si vous n'êtes pas contente, il peut y avoir la guerre. Et puis, les crises de l'énergie, c'est à cause de la Russie. Mais est-ce que croyez que tous les gouvernants occidentaux ont fait en sorte qu'une voie diplomatique soit trouvée? Si j'en crois les propos du Premier ministre Bennett israélien il y a une semaine dans un média israélien dont j'ai oublié le nom, mais en tout cas, ça a été... Il y a un moment, Israël et la Turquie avaient pris le leadership d'une négociation sur l'Ukraine. Il y avait des pourparlers diplomatiques entre occidentaux, Zelensky, Poutine, Lavrov. Et il y a eu à Ankara justement une réunion qui a d'ailleurs a précipité le retrait des troupes russes de la périphérie de Kiev. Je termine là-dessus parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais ce que dit Naftali Bennett, c'est que il y avait un accord possible. Zelensky était d'accord. Poutine était d'accord et que les Occidentaux ont refusé.
C'est l'ancien Premier ministre israélien qui le dit. Ce n'est pas un commentateur de plateau, ni même Régis Le Sommier. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a eu une possibilité d'une solution qu'on n'a pas trouvée. Maintenant, je pense qu'il existe, ça, il faudrait que j'ai un peu de temps pour le développer, oui, mais il existe chez les Américains, comme chez les Russes, des orphelins de la guerre froide. Ce que j'appelle ça, des orphelins de la guerre froide, moi j'ai beaucoup pratiqué les États-Unis, hein, c'est peut-être ma deuxième patrie, j'ai deux enfants qui y habitent, j'y ai vécu une dizaine d'années comme correspondant de Paris Match. J'ai toujours remarqué qu'on était en pleine période, je veux dire, djihadiste, entre guillemets, c'était Al-Qaïda, ensuite ça c'était Daesh, etc. Mais que beaucoup d'hommes politiques américains ont toujours considéré ces combats contre Al-Qaïda, contre Ben Laden, si Ben Laden est devenu l'ennemi public numéro un, vous savez, la psyché américaine se nourrit d'un ennemi qui doit être à peu près équivalent. Mais que pour eux, ce n'était pas vraiment satisfaisant, en fait, d'avoir des types qui vivaient dans des grottes dans le désert, en gros, qu'on pouvait taper avec des drones. Puis vous savez, il y a une chose qu'on n'a pas regardée ces dernières années, mais c'est l'augmentation du budget de la défense américaine qui équivaut, qui est aujourd'hui à 858 milliards de dollars. C'est l'équivalent des 22 pays qui suivent. Donc quand vous avez un budget de l'armement de cette importance-là, vous pouvez vous douter quand même, et qu'il augmente tous les ans de 10%, vous pouvez vous douter que ce n'est pas simplement pour fabriquer des drones pour taper des types qui habitent dans des grottes dans le désert. Donc l'idée, c'était d'aller au coup d'après. Et que ce Ben Laden, il était un peu embêtant parce que... Ou pour faire sauter des ballons gonflables chinois. Bah oui, ouais. il fallait intervenir en Irak, il fallait intervenir et donc prendre à bras le corps le Moyen-Orient, prendre à bras le corps l'Afghanistan avec l'océan de ruines que tout ça a laissé. Mais bref, la puissance américaine déployée à l'étranger, c'était pas suffisant. Et qu'il existait chez les hommes politiques, américains et russes, hein, je pense, une espèce de nostalgie du mano à mano, de la grande chose qu'on n'a pas soldée. Les Américains n'ont pas soldé la guerre froide, les Russes n'ont pas soldé la Seconde Guerre mondiale. Et y a eu une collision, et cette collision aujourd'hui, c'est l'Ukraine. En tout cas, on vous remercie beaucoup puisque vous êtes ce documentaire. Vous nous avez permis d'avoir ces images exclusives. Donc je propose qu'on termine ce premier débat par regarder un dernier extrait de ce documentaire. Donc Ukraine, ils ont accepté leur mort. C'est en ligne depuis début d'après-midi sur omertamedia.fr. On regarde cet extrait. À minuit, c'est l'heure du bain de glace. Tradition russe pour fêter l'épiphanie. Un pope orthodoxe, attaché à l'unité, bénit le lieu et les hommes qui ensuite se dévêtissent pour plonger dans l'eau. L'exercice consiste à s'immerger dans un trou percé dans la rivière glacée et à se signer trois fois face à une croix taillée dans la glace. Dans cette guerre, l'Église orthodoxe de Moscou agit main dans la main avec l'armée. Tous se plient à l'exercice, nous compris, mais le lendemain matin, omertamedia.fr, ces images, là encore. Oui, alors ben ça correspond au QG, en fait, du bataillon des vétérans. On est tombé le soir, en fait, il y a 24 heures pour faire ce rite, qui est le rite de l'épiphanie. Voilà, et bon, nous, on l'a fait aussi, hein. C'était un peu une manière de nous dire, alors, vous allez le faire, les Français. C'était un peu, voilà, on était un peu obligés de le faire. C'était un peu notre passage pour partir vers le front après. Je peux vous dire que c'est une expérience. Bon, et puis voilà. C'est pas facile de sourire, mais on va quand même le faire dans cette période. Ignace, notre caricaturiste qu'on peut applaudir. Tout d'abord, la faiblesse de l'armée russe, on la voit bien en chaussant les lunettes de BFM TV. Et puis, une caricature qui parle d'elle-même. Voilà, elle rappellera, je pense, un film. Merci beaucoup. On se retrouve tout de suite pour l'interview confession. Alors, mon cher Régis Le Sommier, avant de passer au second débat, c'est un rituel aussi dans cette émission, une petite interview confession, c'est un peu notre questionnaire de Proust. Quelques questions, il n'y en a que 6, mais vous répondez très brièvement à chacune d'elles. La première. Quel personnage historique aimeriez-vous être ? Alors là,
Non, tu vous as déjà dit Orwell. Quel personnage historique. Il a un bicorne. Un Napoléon, quoi. Ouais, Napoléon, parce que. Ouais. Non, c'est pas. Enfin, ça doit être. Pas le plus grand démocrate, peut-être. Oui, mais c'est une qualité, bon. De pas être démocrate. Oui, Charette, c'est intéressant. Enfin, j'ai redécouvert le personnage de Charette et j'ai toujours une certaine admiration. Deuxième question. De quel pays faut-il s'inspirer? Vous en avez fréquenté tellement de pays que... Quel pays faut-il s'inspirer? Ils ont tous quelque chose, même les États-Unis, hein, je sais que parfois je suis assez critique, mais c'est un pays que je connais bien. Moi, je m'inspirerais des États-Unis, de leur notion de la presse et de leur grande liberté de la presse, qui n'est pas qu'un vain mot. On ne foule pas les principes là-bas et on laisse les journalistes faire, y compris quand ils font des choses, ils vont dans d'autres camps. Ça, c'est américain, ça, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je signale que quand on était dans le Donbass, les seuls qui nous ont appelés en voyant ce qu'on faisait, c'était le New York Times, en disant « Nous, on veut aller aussi là où vous êtes. » Je n'ai pas vu un média français le faire. Troisième question. Quel souvenir souhaitez-vous que l'on garde de vous? Moi, je voudrais qu'on garde ce souvenir. Déjà, vous allez rester un peu avec nous. Oui, c'est sûr que vous voulez me garder pour la retraite. Parce que moi, je fais un métier où la notion de retraite, quelque part, on m'a posé la question, il n'y a pas vous le plaisir. Il va falloir que je m'en occupe à un moment. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas beaucoup. Bon, après, c'est normal qu'on y pense. Et voilà, d'autant plus que vous êtes en danger en permanence. Hein, on se souvient de ce grand reporter, Patrick Bourin, notamment. Ouais, Patrick Bourin, qui m'a marqué dans mon enfance. Il y en a eu beaucoup qui ont payé le prix fort pour faire ce métier. Et je les salue. Moi, ce que je voudrais, c'est sur cette notion d'intégrité journalistique. Je veux vraiment dire, je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est vraiment pas un vain mot chez moi. Et je pense qu'il faut faire attention qu'on grignote des parts de liberté, des parts de notre liberté d'informer. On rentre dans des schémas binaires aujourd'hui. On est dans des excommuniques. On arrive dans une ère où il y a des Torquemada. Il y a des gens qui vous parliez des gens de Libé, mais c'est un peu ça, t'as pas le droit d'exister en fait. Alors qu'à l'époque de, souvenez-vous, les années 80, c'était la période de mon adolescence, il y avait Polak, on s'empoignait, les gens n'étaient pas d'accord, il y avait de la fumée, etc. Droit de réponse, ça voulait dire droit d'avoir une opinion, déjà. Aujourd'hui, non, il y a le bien, il y a le mal, et on est revenu dans une vision quasi biblique des choses, avec les méchants, les gentils, et le monde, en fait, il n'est pas comme ça. Et quand on va sur le terrain, on voit qu'il n'est pas comme ça. Ça tombe bien, vous venez de répondre à la question suivante que j'allais vous poser sur les médias, justement, le regard que vous aviez sur eux. Donc on va tout de suite enchaîner sur l'avant-dernière question. Quelle est la plus grande des vertus? L'humilité, j'espère. Enfin, c'est-à-dire de dire, quand on fait ce métier, on est là pour raconter les histoires des autres. Là, vous me posez beaucoup de questions sur moi, mais moi, ce que j'aime bien, c'est mettre en lumière quelqu'un que je vais voir... peut-être une heure dans ma vie, mais qui restera à jamais dans mes pensées. Parfois, quand on va sur ces terrains-là, on a des gens qui n'ont plus rien. Et qui est anonyme, qui vous racontent tout. Que vous mettez en lumière. Ils ne sont pas là pour vous vendre un disque ou pour vous... Vous voyez, c'est quand même... alors, vous les voyez dans des circonstances tragiques. Hein. Il y en a un jour qui m'avait dit « Ah, j'ai bien aimé te rencontrer, mais j'aurais tellement aimé pas te rencontrer, en fait. » Parce que ça veut dire que je suis dans la merde si tu te rencontres. Donc, mais nous, on est là pour justement leur donner une voix. Et c'est ça notre métier à la base, c'est raconter les histoires des autres. Et justement, la dernière question, elle va, je pense, vous interpeller. Quel est l'événement qui a changé le cours de votre vie? Le 11 septembre, sans ça, je ne serais jamais... ça a propulsé ma carrière... Alain Genestar, qui était directeur de Paris Match à l'époque, est rentré... Vous étiez aux États-Unis? Non, j'étais en France. Hein, et est rentré dans mon bureau et m'a dit « L'Amérique, ça va changer. C'est pas du tout la configuration des années Clinton, machin. L'Amérique va se durcir. J'ai besoin... » Il m'a dit, texto, il m'a dit « J'ai besoin d'avoir quelqu'un là-bas qui sait quoi faire s'il se prend une tour sur la tête. » Et donc, je suis parti aux États-Unis. Et c'est les États-Unis qui m'ont amené à la guerre. C'est leur guerre qui m'a façonné. Donc oui, c'est cet événement-là, c'est ces tours qui tombent à New York. J'ai regardé en direct comme
à peu près la moitié de la planète et qui m'ont propulsé dans un autre monde. Quoi. Merci Régis Le Sommier. Tout de suite, le second débat de Bistro Liberté. Forge-t-il l'opinion ? Impartialité ? Objectivité ? L'avenir est-il aux médias alternatifs ? Voilà, donc on enchaîne avec ce second débat, toujours avec nos sociétaires et avec vous, Régis Le Sommier. Alors on va essayer de prendre, comme on dit un petit peu, c'est une phrase rituelle aussi qu'on entend partout sur les plateaux télé, parfois on va prendre un peu de hauteur. C'est-à-dire on va parler de ce traitement médiatique de cette guerre donc en Ukraine. Alors d'abord, je salue encore une fois Ignace qui est très, eh bien... Ouais. Voilà, très prolifique, si je puis dire, avec cette caricature. Régis Le Sommier, au VAT en guerre des plateaux de télé. Fichez-nous la paix. Et puis, Ukraine-Russie, la drone de guerre. Alors, Régis Le Sommier, justement, à partir de votre expérience, qu'est-ce que vous pensez du traitement médiatique qui est fait de cette guerre en France et en Occident ? Qu'est-ce que vous pensez, justement, de tous ces va-t-en-guerre qui, sur les plateaux et même au niveau politique, attisent en permanence les braises ? Vaste sujet. Je trouve que cette guerre a une dimension médiatique, en fait, une dimension de qui est absolument. Il y a toujours évidemment une partie. On sait que dans les guerres modernes aujourd'hui, l'élément médiatique est très important dans la communication est une arme. Elle est utilisée par les deux. Je prenais cet exemple tout à l'heure. J'étais en train de rédiger un éditorial pour le magazine Omerta, ça me donne l'occasion. Qui sort donc à la fin du mois. Le 22 février. Voilà. J'essayais d'évaluer combien, justement, les pertes de chaque côté, quel pouvait être le chiffre acceptable. Et je n'y suis pas parvenu parce qu'il y a tellement de chiffres. On peut donner une échelle et considérer qu'en gros, il y a eu 100 000 morts et blessés de chaque côté. Bon, il y en a peut-être sans doute beaucoup plus. Mais je me suis rendu compte, en fait, pourquoi la difficulté entre les chiffres des Américains, les chiffres des Russes, les chiffres des Ukrainiens, les chiffres de l'OTAN, qui sont pas parfois différents de ceux des Américains. Enfin, donc c'est assez. Pourquoi ? Tout simplement parce que la donnée du chiffre de morts de part et d'autre est un élément de propagande, est un élément qui va être utilisé par un côté contre l'autre pour dire « Regardez, les Russes, ah, ça y est, ils ont perdu tellement d'hommes, etc. » Ou les Ukrainiens, ça y est, Bakhmout a gagné son surnom de hachoir à viande. Voilà, donc parce que les Ukrainiens ont perdu tellement de morts. Vous entendez ça ? Voilà. Donc en fait, même le chiffre est difficile à savoir. Et en fait, toute cette... vous parlez du traitement médiatique. Moi, je pense qu'il faut... pour le coup, prendre peut-être de la hauteur, mais revenir aux fondamentaux. Et revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire les faits, et d'essayer d'analyser au maximum qui va donner les faits et être le plus proche. Alors, sur Twitter, nous, on a nos personnes un petit peu désignées, soit... Il y a toujours... On est toujours... Enfin, par exemple, excusez-moi de vous interrompre, mais sur LCI, je me souviens de il y a deux, trois chroniqueurs dans l'émission de, d'ailleurs... Mais on a cette Ukrainienne aussi qui insulte les gens. Qui insulte en permanence. Qui sont... que c'est des lâches. Alors voilà, une dame qui est arrivée hier en France, qui touche sûrement l'allocation des réfugiés, et qui insulte les gens en disant, ouais, vous êtes des lâches.
lâche, pourquoi vous n'allez pas vous engager sur le front. J'ai eu affaire à elle sur le plateau de Cyril Hanouna, où j'ai été d'ailleurs extrêmement surprise de la façon dont elle m'a attaqué. J'étais là pour expliquer l'arsenal nucléaire de la Russie. Et à la poésie, hein, c'est voilà. Ça. Hein. Et elle était devant moi et elle m'a dit « Ah, Poutine, ses missiles, c'est, tout ça, c'est des mensonges. Qu'il les envoie, ces missiles !» Je lui ai dit « Écoutez, la Russie, moi, ça ne me fait pas du tout rire. Ils ont 3500, je crois que c'est 4500 même, têtes nucléaires. C'est le pays qui en a le plus au monde. Je ne suis pas sûr que s'ils vous envoient leurs missiles, il reste grand-chose de l'Ukraine. » Et par la même occasion, du monde entier. Mais elle était à dire, nous on s'en fout, tout ça c'est de la blague. Et d'une véhémence à l'égard aussi. J'ai trouvé ça, alors bon, vous me direz, j'ai l'avantage de d'une émission comme celle de comme TPMP, c'est que tout le monde peut parler. Oui, c'est ça, c'est la différence. Sur cette émission, vous avez deux points de vue différents. Mais au moins, chacun a l'occasion à une minute ou deux pour dire son point de vue. C'est ça. Ce qui n'est pas le cas de d'autres émissions où il y a Et Myriam Palamba, qui est d'ailleurs chroniqueuse sur TPMP, donc vous confirmez. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez pu établir votre point de vue, et elle, on le sait, un peu hystérique. J'ai trouvé son propos complètement disant, oui, Poutine a l'arme nucléaire, elle pouvait l'attaquer d'une autre façon, c'est de la blague, c'est quand même un peu dérangeant d'entendre des discours comme ça. Moi, ce qui me dérange, et je voulais savoir votre avis là-dessus, c'est quand même cette façon, tout à l'heure vous en parliez, vous faisiez un peu allusion parlant du côté manichéen de la profession aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on fait comme par exemple Arnaud Klarsfeld, on demande la paix, on est forcément pro-Poutine. Oui. Aujourd'hui, on est, si on veut être dans le camp du bien, on doit être pro-ukrainien et dire que M. Zelensky est formidable et que quand il fait la guerre en posant sur la coupe de Vogue avec sa femme, c'est juste brillant et que tout le monde doit s'extasier devant ça. Alors, je sais qu'en disant ça, on va me dire que je suis pro-Poutine, alors que moi, Poutine, j'en ai vraiment rien à faire. Tu l'as un peu quand même. Non, pas du tout. Je trouve que sur les plateaux télé, aujourd'hui, tous les journalistes sont pro-ukrainiens comme ils étaient pro-Covid, parce qu'il faut être, c'est ça le camp du bien, donc c'est assez désespérant. Sur LCI, c'est assez remarquable. C'est désespérant, et surtout le traitement. Ça vous interpelle, ça, non ? Moi, le traitement qui a été fait à RT, que je trouve juste scandaleux. Vous pouvez peut-être nous en parler. Moi, je connais des... La censure d'RT, c'est ça ? Mais oui, qui n'a même pas été décidée à travers l'ARCOM. C'est une directive européenne. Je ne sais même pas comment ils travaillent. Moi, j'ai des copains journalistes qui sont à RT qui m'ont pas dit qu'ils avaient subi des pressions de malades, qu'ils n'avaient pas le sentiment de faire de la propagande, et pas plus faire de la propagande qu'on peut en faire de l'autre côté sur les chaînes comme LCI ou BFM TV, en fait. Le problème, c'est qu'on vous répliquera toujours que la Russie étant l'agresseur, vous pouvez tenir des propos comme vous venez de le faire en disant ouais, il faut expliquer un côté l'autre. Ça revient finalement à légitimer la position russe. C'est ce qu'on va vous dire. Mais c'est être bas de plafond que de présonner Je sais bien. Mais la question est... alors, il y a plusieurs... dans ce que vous avez dit, il y a plein de choses intéressantes. Sur la question d'RT, oui, il est choquant... en France, où il y a une loi sacro-sainte 1881 qui consacre la liberté d'informer, on interdise un média. Ça, c'est de ce point de vue-là, quel que soit ce média. Oui, on a eu, par le passé, des débats quand même. On est passé par la période de se demander si on était Charlie. Et on s'est posé la question de savoir si on soutenait un journal qui était capable de heurter nos valeurs les plus fondamentales. Charlie, avant de s'attaquer à l'islam radical, il s'était attaqué au catholicisme, montrant le pape dans des... Voilà. C'est la ligne éditoriale même du magazine. C'est le fameux, le sacro-saint adage, qui en fait... a été qui résume la pensée de Voltaire. Je me battrai jusqu'à la mort pour. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai à la mort jusqu'à la mort pour que vous puissiez exprimer vos idées. Donc c'est ça le problème. Et cette tout à coup on se rend compte que l'Europe prend une décision, l'ARCOM n'est pas consulté en France et qu'en fait des officines prennent la décision de fermer une chaîne. Alors qu'elles n'en ont pas les prérogatives. On fait fi de la loi, quoi, en fait, finalement. La question d'RT, pour terminer, il y a une vision de ce qu'était RT, c'est-à-dire, je crois, 176 salariés, tous français,
Bon, peut-être il y avait peut-être deux Russes dans l'histoire. Et puis la perception qu'on en avait, c'est-à-dire que quand vous écoutiez certains hommes politiques, je pense en particulier à Jean-Yves Le Drian, que je connais bien par ailleurs, mais tenir des propos où on avait presque l'impression qu'on était habillé avec des manteaux gris dans une cave en train de bricoler des ordinateurs et d'envoyer des virus un peu partout. Voilà, que la vision d'RT, c'était ça, c'est qu'on était en fait une sorte de prolongement d'un cerveau poutinien en France. Et, sous prétexte que les financements venaient de Russie. Non, le problème d'RT, moi le problème d'RT, c'est quand même une question importante, d'où viennent les financements. Oui, mais alors dans ces conditions, les financements qui viennent... Alors, évidemment, mais pour les deux, c'est important. Mais je suis d'accord avec vous, c'est une vraie question. Mais le problème d'RT, c'est qu'on aurait mieux fait d'inverser la problématique et de se demander pourquoi en France, en 2020, enfin ça a duré 3 ans et demi ou 4 ans, pourquoi pendant ces 4 ans, RT a-t-il connu un certain succès ? Est-ce que ça ne dit pas quelque chose de problématique vis-à-vis de nos médias français pour que des Français... éprouvent le besoin d'aller, je parle en particulier des Gilets jaunes, puisque c'est là où RT a fait son... Ça a été un peu leur heure de gloire, c'est-à-dire de donner la parole à des gens qui estimaient ne pas être écoutés sur les autres chaînes. Donc ça pose un problème à la profession, ça. De savoir pourquoi il y a eu ce succès relatif. Mais notamment Didier Maistre, ancien président de Sud Radio. Après, on en pense qu'on en veut sur la question, mais vous avez raison, ça pose un problème qu'il y a un vecteur russe, comme ça pose un problème qu'il y a un vecteur qatari. Ne serait-ce que pour l'autocensure. Avec Al Jazeera, que ça pose un problème qui est une télé turque, I24 News avec la voix israélienne. Je veux dire, voilà, on a le droit de s'interroger là-dessus. Le grand problème de RT, de la suspension de RT, c'est qu'on ouvre une boîte de Pandore pour d'autres médias, c'est-à-dire que d'autres, on trouvera des raisons pour d'autres choses. Qui a été justifié publiquement par Olivier Véran le 4 janvier, dans une conférence de presse où il souhaite ses vœux de bonne année à la presse. Je vous invite tous à la regarder chez vous si vous n'avez pas vu cette conférence de presse. Elle est sidérante. On est dans Orwell, mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il est là, il dit donc aux gens de la presse: nous avons constaté que les médias indépendants réalisaient des audiences supérieures aux vôtres. C'est un problème démocratique. Et nous allons donc devoir prendre des mesures. Et il a lancé ce qu'il appelle les états généraux du droit à l'information. Attendez, le droit à l'information, il existe en France. Donc c'est le droit à l'information dans quel sens ? C'est le droit à des gens de faire le métier d'information. C'est ça que le mec est en train de dire. C'est purement dingue. C'est une boîte, c'est comme la question du loto. À qui le tour ? Parce que c'est exactement ça qui va se passer. Une des conséquences de la fermeture d'RT qu'on a en fait pas compris tout de suite, ou que certains n'ont toujours pas compris, c'est que ça met en péril dans le monde tout correspondant d'un média français. Et ça s'est vu au Mali, puisque France 24 et RFI ont été exclus. De facto, le correspondant du Monde à Pékin, si l'État chinois estime que la France est devenue une puissance hostile, il peut très bien dire: monsieur, vous prenez vos bagages et vous partez. Et il s'en sort bien, même, dans ce cas-là. Mais non, la liberté, machin. Regardez ce que vous avez fait à RT. Voilà, vous avez fermé des chaînes. Nous aussi, on estime que vous êtes une puissance, machin. Donc, la boîte de Pandore, elle est plus là, à mon avis, dans le sens que dans des pays risqués, on met en péril l'exercice du métier difficile de certains correspondants. Mais ce documentaire, parce qu'on les met à risque de recevoir que vous avez une forme de réciproque. On le rappelle, Ukraine, ils ont accepté leur mort, est disponible uniquement en exclusivité sur omertamedia.fr. Vous n'aviez pas envie de le proposer à des chaînes mainstream où c'est un choix, oui, vraiment. C'est même plus. Non, la question, c'est qu'on est tout à fait prêt à faire des coproductions avec d'autres chaînes. Pour le moment, on est un média tout nouveau, on a commencé en novembre, comme vous l'expliquiez, on a été attaqué même avant, ça c'est le paradoxe, même avant de sortir, on était déjà russe et d'extrême droite ou je sais pas quoi, mais voilà. Un peu complotiste aussi. Vous êtes financé par qui ? On est financé, c'est un média indépendant. On a un actionnaire qui finance le média, et puis on espère que, au niveau des abonnements, parce que c'est un média qui fonctionne, nos maîtres, c'est nos abonnés. Donc ce concept, il est périssable, il est pas pérenne encore, mais il y en a d'autres qui le font, Vice News, Brut, il y en a qui fonctionnent un petit peu sur des modèles similaires aux nôtres, mais on estime que, enfin moi en tout cas, je découvre quelque chose Parce que c'est nouveau pour vous, voilà. Moi j'étais un homme de l'écrit, et d'ailleurs je peux toujours pas m'empêcher d'écrire.
J'explique que je vous ai dit que je faisais un bouquin, mais quand je vais en reportage, j'ai toujours mon carnet de notes. J'adore la photographie aussi. J'ai travaillé avec des grands photographes. J'ai eu cette chance extraordinaire de travailler avec des Noël Kidu, des Véronique de Vigry, des Alvaro Canovas, qui étaient vraiment des grands photographes. Et moi, j'ai toujours eu un œil photographique à cause de Paris Match. Et là, oui, je suis dans un nouveau média, dans une nouvelle écriture. Bien sûr que... Vous le disiez, l'image est tellement forte Très certainement, au-delà d'Omerta, je pense que il y a en ce moment une guerre des médias traditionnels contre les nouveaux médias, contre les nouveaux arrivants. Mais aujourd'hui, quand on est journaliste, on se sent libre d'aller sur On va les exclure parce qu'ils sont un danger et que nous, notre readership, comme on dit, notre audience décline. Aujourd'hui, pour être libre, pour parler libre... Assumé dans cette conférence par Véran, parce que il fait vraiment une corrélation complètement fallacieuse, parce qu'il dit vraiment cette phrase, à un moment, j'arrive plus à exactement me souvenir, mais il dit « Il réalise plus d'audimat que vous, donc nous allons lutter contre pour garantir une information de qualité. » Mais il n'y a pas de lien entre ces deux affirmations. Et pour RT, avec toujours en plus ce qui est fascinant à voir, c'est que ce sont très souvent des gens qui donnent à tout le monde des leçons de théorie du complot, mais qui, pour justifier la fermeture d'RT, sont obligés d'avoir une vision complotiste des médias. C'est-à-dire qu'en fait, ils estiment, ils vous disent... Alors, il y a une chronique de Libé qui est incroyable là-dessus, où ils disent « RT, ce n'est pas de l'information parce que c'est de la propagande. Et pourquoi c'est de la propagande? Parce que ce n'est pas de l'information. » Bon, on peut faire deux heures là-dessus. Mmh. Et ils vous disent « C'est un média aux ordres de Poutine. » Mais qu'est-ce que ça veut dire si on l'applique dans le concret? Ça veut dire qu'il y a 150 journalistes qui, tous les matins, reçoivent des ordres ou se font corriger leurs piges par le Kremlin qui leur sont ramenés dans la journée. Mais ça, c'est la vision qu'a le complotiste moyen de BFM TV. C'est-à-dire, c'est d'imaginer qu'une masse de plusieurs milliers de gens arrive à être sous la tutelle d'un groupe de 15 personnes sans que personne le dise, sans qu'on soit au courant, sans que ça se sache, sans que ça se voit. Donc, ils sont obligés de défendre l'idée du média masse informe, alors qu'en plus, ça ne tient pas la route, puisque ces journalistes ont été recrutés beaucoup dans le milieu des journalistes dissidents, gilets jaunes, etc. C'est-à-dire des gens qui viscéralement détestent qu'on leur donne des ordres et des directives et qui ne supportent pas l'autorité. Donc, en plus, ça ne tient pas la route une seconde, leur truc. Il y avait, ça, je leur rends hommage, des jeunes aussi à qui ça a mis le pied à l'étrier. Alors aujourd'hui, ils ont un peu de mal à trouver du travail, mais parce que le média classique, lui, n'embauche pas. Ou embauche à 50 balles la pige et ton nom est pas dessus. On peut pas dire que non plus RT, c'est aussi. Vrai que c'était relativement... les salaires étaient très corrects, mais les nouveaux médias sont pas forcément des médias qui payent énormément. Je voulais parler de LCI, mais au moins ils donnent. Mais je crois veut dire quelque chose. Mais ce qui est une réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand on est journaliste, si on veut pouvoir parler librement sans tomber tout de suite dans le camp du mal ou dans le camp du bien, il y a que sur ce type de médias qui sont indépendants dans lesquels on peut s'exprimer. Comme le vôtre. Je suis pas sûre. Et souvent, d'ailleurs, des médias qui, je ne sais pour quelle raison, ont des images complètement pourries, d'extrême droite, de complotistes, etc. Alors que, pas du tout, c'est des médias où on parle librement et de tout. Et on reçoit tout le monde. Mais je suis pas sûre que... C'est juste que tout le monde ne veut pas venir. Je suis pas sûre que ce que vous faites sur Omerta, vous pourriez le faire, vous auriez pu le faire sur Paris Match. Et puis aujourd'hui, ce qu'on accuse, les accusations contre RT, excusez-moi, quand on sait que Marc-Olivier Fogiel, qui dirige BFM TV, va dîner régulièrement à l'Élysée avec sa copine Brigitte et son poteau Emmanuel, je suis désolée, qu'est-ce qu'on vient de parler d'indépendance de la presse dans ces cas-là? Enfin, à un moment donné, aujourd'hui, il y a un vrai problème en France, c'est que le journaliste n'est plus libre, qu'il soit, quel que soit où... Partagez ce point de vue. Où il n'est plus libre, et peut-être qu'il est d'ailleurs... Déjà, il n'est plus journaliste, très souvent, il est éditorialiste, et il y a marqué en dessous journaliste. Et il est plus libre sur des médias indépendants. Aujourd'hui, les journalistes ne copie-collent que des dépêches AFP, ils habitent tous rive gauche de Paris, donc tout le monde à peu près se connaît. D'ailleurs, tous les médias sont concentrés sur cette rive gauche de Paris. On a aussi nos amis fact-checkers, je suis sûr qu'ils vont d'ailleurs fact-checker l'émission de ce soir, et qu'ils vont dire plein de choses. D'ailleurs, des fact-checkers qui sont ni scientifiques... Qui ont de moins d'influence, mais qui sont ni scientifiques, et qui vont pourtant fact-checker des scientifiques de renom, qui ne sont pas allés, comme M. Régis Le Sommier, sur les territoires de guerre, mais qui pourtant vont dire à M. Le Sommier « Non, mais ce que vous avez dit, c'est pas vrai, c'est faux. » Ils donnent des leçons à tout le monde. Et moi, j'avais une question à poser à M. Le Sommier, c'est concernant LCI, parce que LCI, de 8h du matin à minuit, à 2h, 3h du matin, on entend parler de l'Ukraine avec
un seul et unique point de vue. Est-ce que cela est dû au fait que l'actionnaire de LCI, ben, c'est Bouygues? Est-ce qu'on a promis à Bouygues des marchés pour plus tard, pour reconstruire l'Ukraine? Là, on va traiter de complotiste, tu le sais. Ah ben oui, je suis très complotiste, je l'assume. Hein. C'est vrai que le parti pris de cette chaîne info filiale de Téléchat, t'en va laisser répondre, Régis. C'est gentil, puis ça faisait deux heures que Mendès France, il avait rien à bouffer, là, son ordi, il s'emmerdait, tu vois, là, au moins, il a un truc, parce donc, que... Article sur conspiration. Voilà, sinon, il avait rien, le pauvre, faut qu'il bouffe, quand même. Bon, Régis Le Sommier répond. Hier, j'ai regardé... Vous êtes invité sur BFM TV, sur CNews encore, sur LCI, on vous voit... Ils m'ont appelé l'autre jour, et puis ils m'ont décommandé au dernier moment. Comme Berkoff, il doit avoir pas tant d'audience, de toute façon. Pourquoi m'avoir appelé, alors? Bon, bref. Non, je vais pas les accabler. Je pense, voilà, hier soir, je regardais ce film mythique de Francis Ford Coppola, qui s'appelle Le Parrain, le numéro 1, et qui est extraordinaire parce qu'il y a un gimmick qui revient tout le temps. C'est, non, mais, c'est pas, il y a rien de personnel, c'est du business. Et je crois que LCI, c'est ça. Je crois qu'en fait, le créneau ukrainien, c'est un créneau qu'ils ont décidé de prendre. Alors peut-être que, je ne sais pas si Martin, j'en sais rien franchement, s'il y a une histoire comme ça derrière. Non, je pense que c'est juste pour faire de l'audience. C'est une chaîne qui avait du mal à décoller face à BFM et à CNews, qui étaient sur deux créneaux très bien positionnés. LCI, elle n'avait pas sa place. Et elle traînait à quelques pourcents d'audience, même pas. Et je pense qu'elle a réussi avec la guerre en Ukraine. Pour réussir, il fallait être outrancier. Il fallait avoir des... On se souvient de Sergueï Girnov, hein, qui était agent du KGB ou pas, lui, finalement. C'est pas... Bah, écoutez, moi, je l'ai croisé sur plusieurs plateaux. Il était très gentil. Hein, je ne vais pas non plus... Il était charmant. Maintenant, est-ce qu'il a réellement été ce qu'il disait être? Bon, encore lui... prétendait et avait un discours, machin. Non, mais en tout cas, il était très véhément. À la poélie, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas qui est à la poélie. Je ne sais pas ce qu'elle a... Alors, j'ai lu un peu sa bio. Elle est arrivée en France il y a 30 ans. Elle s'est installée dans la région de Lyon. Elle a fait une boîte de conseils, etc. Enfin, est-ce que ça lui donne une expertise pour dire aujourd'hui où va la guerre et qui est bien et qui est mal? Je ne suis pas sûr. Et en fait, le problème des médias aujourd'hui, c'est que... je vais prêcher un peu pour ma paroisse, le média de terrain, il est en déclin. Et par contre, il y a un autre média qui est le média du commentaire, de l'analyse, mais qui est finalement, qui lui, de l'opinion, en fait. Alors, en même temps, j'estime que c'est bien aussi de pouvoir s'exprimer, mais quand tout n'est plus qu'affaire d'opinion, que vous avez des généraux... Alors tous moi, ces généraux, j'allais en parler de BFM. Je parlais de ces généraux. Moi, c'est la plupart de ces généraux n'ont fait la guerre dans leur vie que sur des cartes. Moi, j'aime bien cette expression parce que c'est ça. Ils sont anciens chefs d'état-major, de machin. En fait, c'est des types qui n'ont connu que des bureaux. Alors, ils ont peut-être eu une formation au départ. Il y en a un qui a commandé une brigade de chars, etc. Mais ça a été assez rapide. Alors, moi, il y en a un qui avec qui je suis souvent en plateau sur CNews, qui est le général Clermont. Le général Clermont, il a quand même eu le mérite de conduire un Mirage pour aller bombarder la Serbie, qu'on aime ou pas. C'est quand même un mec qui est allé dans son avion. Et on sait qu'il y a des aviateurs à l'époque qui ont été otages des Serbes. Donc, c'est quelqu'un qui est allé d'une certaine façon. Il n'y en a pas beaucoup. La plupart de ces gens sont des gens qui ont fait des carrières, justement, dans... Moi, je connais bien ça. Comment j'ai eu un père officier de marine, c'était les cocktails de l'amiral, les trucs, et il fallait y aller. Mon père détestait ça, mais il fallait le faire. Et puis, les femmes étaient participaient de la carrière de leur mari. Et tous ces gens-là qui arrivent sur les plateaux bombardés avec des trucs, c'est des gens qui ne savent pas ce que... qu'ont assez rarement... pour la plupart, entendu un coup de feu ou... Christopher, j'entends pas parler. Je commence et ensuite j'aurai une question à vous poser. Pour moi, je ne crois pas du tout à l'indépendance totale des médias. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. L'objectivité n'existe pas. On tend vers ça, on essaie de tendre vers ça. Et c'est pour ça que j'ai souligné la question du financement tout à l'heure, parce que pour moi, elle est évidemment intéressante. Alors, on a caricaturé en parlant de complotisme. Évidemment qu'il n'y a pas Vladimir Poutine qui appelle chaque journaliste pour donner ses ordres. Évidemment que sur BFM TV non plus, ça ne se passe pas comme ça. Mais il y a une certaine forme d'autocensure dans le sens où on ne mord pas la main qui nous nourrit. Les gens ne vont pas essayer d'être outranciers, d'essayer d'être trop borderline parce qu'ils savent qu'ils peuvent mettre leur poste en jeu. Donc je pense que sur ce plan d'indépendance, oui, la question du financement est très importante. Et
important, c'est vraiment de tendre vers ça. La question que j'aurais souhaité vous poser, c'est que vous avez parlé tout à l'heure de revenir aux fondamentaux, et vous avez parlé d'RT également. Mm-hmm. Si RT a fait un tel carton au bout d'un moment, c'était pendant les Gilets jaunes, c'est parce que RT est allé sur le terrain, et qu'il faisait des lives formidables, où on voyait vraiment les choses, il donnait la parole aux gens, il donnait la parole à la rue. Là, c'est ce que vous êtes en train de faire avec Omerta. Vous avez dit dans une autre interview, je crois que c'était chez Berkoff, qu'on a de plus en plus de commentateurs, vous l'avez répété tout à l'heure, c'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs, et de moins en moins de journalistes de terrain. Or, c'est eux qui nous fournissent la substance pour le qui commentaire. Qui devrait, normalement, oui. Parce que moi, il m'est arrivé parfois d'arriver avec des choses que j'avais constatées, et un type sur le plateau me dit « Mais non, ça se passe pas du tout comme ça !» Écoutez, je suis quand même, j'ai 30 ans d'expérience, ce que j'ai vu, ce que je vous raconte là, je l'ai vu. Je suis pas payé par quelqu'un pour l'avoir vu, on n'a pas... vous savez, quand on est en Russie, il y a toujours ce que j'appelle le syndrome Tintin au pays des soviets. C'est-à-dire, vous dites au début, est-ce qu'ils font vraiment ça? Il y a toujours cette de reste de propagande soviétique de l'époque où, effectivement, il y avait un côté... Mais après, moi, j'ai cette expérience de terrain, je sais analyser, je sais quand on me raconte quelque chose, ce qui est pipeau et ce qui n'est pas pipeau. Vous sentez, vous voyez, et vous arrivez sur le plateau, et le mec en face, qui était un ancien, je sais pas quoi, haut dignitaire ou fonctionnaire, vous dit que vous avez tort. C'est ça le problème aussi aujourd'hui, c'est que j'ai eu M. Colosimo, il n'y a pas longtemps, sur Sud Radio. Je lui racontais ce que j'avais vu dans la région de Kherson. Il dit « Oui, mais ça, c'est des témoignages, ça n'a aucune importance. » Ben, si, demander... Je lui expliquais que les civils, c'est une réalité que je n'ai pas constatée uniquement en Ukraine, hein, dans bien des pays, souvent, en fait, se retrouvent dans un camp ou dans l'autre. Ils n'ont pas vraiment choisi. Alors qu'on est là, les pro-russes, les pro-ukrainiens, en fait, en général, les gens, ils essayent de survivre. Quand la guerre s'invite chez eux, bah, ils essayent de protéger leurs enfants. Et bah, y a le mec qui arrive avec son fusil, bah, on ne va pas lui dire « je suis pro-machin ». Donc, on va faire le dos rond. Ensuite, on va essayer d'adopter ce qu'on appelle des stratégies de survie. Moi, je l'ai vu pendant la bataille de Mossoul. J'étais en première ligne avec la Golden Division, qui étaient les troupes d'élite de l'armée irakienne. On allait, donc on nettoyait les quartiers avec eux. C'était très, très dangereux. C'était des moments d'intensité de combat incroyable. Et puis, une fois que le quartier avait été conquis, ils faisaient du porte-à-porte pour essayer de repérer les types de l'État islamique qui se cachaient au milieu de la population. Alors, par contre, vous avez 15 types avec des barbes fournies, c'est parfois assez difficile de savoir qui était le mec de l'État islamique. Le mec de l'État islamique n'allait pas arriver, genre, ouh, c'est moi le mec de l'État islamique. Donc, que faisaient les gens? Moi, j'ai vu des pères arriver avec leurs enfants, leurs enfants criant, hurlant, parce qu'ils ont envie de voir des soldats habillés, ni même de nous voir, pour montrer qu'ils avaient des enfants et que, en fait, c'était des pères. Et en fait, ces stratégies-là de survie sont extrêmement touchantes, parce que vous dites, le type, il risque sa vie. Le mec de l'ISOF, bon, c'était des troupes disciplinées, mais à côté, il y avait la fête Paul, il y avait des divisions irakiennes moins encadrées et plus sectaires, parce que souvent c'était des chiites qui étaient dans l'armée irakienne, qui avaient été restructurées autour du monde chiite. Elles arrivaient à Mossoul, c'est 95% de sunnites, Mossoul. Donc les mecs avaient la trouille que l'autre en face. Et donc je voyais ces moments-là, et j'en ai vu aussi des moments comme ça en Ukraine, j'ai pu les observer, de gens qui se disent « bah moi, mon but c'est de survivre à tout ça, quoi. » Et je ne suis pas sûr d'y arriver. Donc, quand vous dites « Ah oui, les pro-russes, les machins, etc. », je viens dire sur ce plateau, et j'ai M. Colosimo, grand expert de la Russie, qui a fait des bouquins, qui explique que tout le monde aurait dû lire ses bouquins, et lui, il n'est pas capable d'aller voir les gens. Il sait écrire, il sait sans doute lire, et c'est quelqu'un de savant, mais il me dit que les témoignages n'ont aucun intérêt. Voilà. La réalité du terrain est bien plus complexe. Est-ce que vous avez pu voir est-ce que vous avez pu voir les médias ukrainiens et russes, comment ils traitaient, eux, l'information de cette guerre?
Alors ça, c'est compliqué parce qu'on a accès aux médias. Il y a le Kif Independent qui est assez que je lis. Je regarde aussi des même l'agence TASS. Je trouve qu'elle s'est même professionnalisée au moment de cette guerre. Elle est beaucoup moins propagandiste qu'elle a pu l'être. Il y a moi, il y a un site que je suis énormément qui est Institute for the Study of War, SFW, qui est un think tank plutôt ultra, qui a été fondé par, enfin, plutôt très néoconservateur américain, par le mari de Victoria Nuland, mais qui est fait par des militaires pour des militaires, un peu comme la RAND Corporation. C'est toujours intéressant de voir leurs analyses parce qu'il va y avoir un côté nous, on est les bons, eux, c'est les méchants, mais il y a quand même les faits. Et est-ce que les missions... L'Américain s'attache quand même aux faits. Est-ce que les missions russes que l'on montre là, vous voyez, où les gens débattent entre eux, est-ce que ça, c'est une émission qui est vraiment très vue, très suivie? Vous avez plein de chaînes en Russie, en fait. C'est un peu comme chez nous, quoi. C'est de dire, est-ce qu'il y a beaucoup de Russes qui suivent la chaîne numéro 1 parce que c'est la chaîne... Non, parce que vous pouvez au même moment zapper sur une chaîne de cuisine. Oui, mais exactement nous, comme nous en parlent comme si c'était Penser qu'en Russie, ils vivent au Moyen-Âge. À Moscou, c'est une des villes les plus interconnectées que j'ai vues en termes informatiques. C'est une ville où le service aux consommateurs a été développé, mais comme même pas le cas à Paris. Donc, et ça fonctionne toujours. Vous faites tout avec votre tablette. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la crise économique chez eux? Alors, par rapport à nous, la vraie ils sont pas à genoux Non, ça c'est une évidence. Ils ont réussi à se diversifier. Bon, ils ont la Chine derrière qui a pris la place de beaucoup de marques qui ont disparu. Et puis il y a toujours l'ambiguïté la plus absolue, c'est la Turquie. La Turquie est le point de passage entre le monde russe et l'Occident aujourd'hui, en termes de jusqu'au prêt-à-porter collection automne-hiver que j'ai vu à Moscou. Je me disais, c'est pas possible, ces marques-là sont là. Bah oui, mais c'est passé par la Turquie. Je vais raconter juste une anecdote à propos des sanctions. C'était en octobre dernier, je suis allé manger dans un restaurant géorgien qui est juste à côté de la Place Rouge, je suis repassé par Moscou au retour, et j'ai demandé un coca. Et je pensais qu'ils allaient me donner le coca du Donbass, dégueulasse, parce que tout le monde fait un ersatz de coca plus ou moins réussi. Et là, j'arrive, une bouteille coca classique, et je regarde la bouteille, et en fait, c'était écrit en arménien. En dessous. Donc en fait, voilà, ça veut dire quoi? Si du Coca-Cola normal, entre guillemets, importé d'Arménie, on ne pouvait pas empêcher à moins de bombarder l'Arménie parce qu'elle emporte du Coca en Russie. Si vous voulez, tout ça, c'est voilà, on est dans un monde où le business ne s'arrête jamais. Il y a des choses qui handicapent les Russes dans les sanctions qui ont été prises, mais de là à dire qu'ils sont à genoux, non, c'est faux. Et aujourd'hui, il faudrait quand même que quelqu'un au niveau du pouvoir arrive à nous le dire. Qu'on ne soit pas aujourd'hui, pour essayer de comprendre même les évolutions du front, dépendant des déclarations des militaires qui sont les plus crédibles aujourd'hui sur ce qui se passe sur le front. Moi, j'attends qu'il y ait je reparle du général Milley, je n'ai pas une affection particulière pour cet homme, mais c'est le seul que j'ai entendu parler de négociations. Je n'ai pas entendu Anthony Blinken en parler, je n'ai pas entendu Joe Biden en parler, je n'ai pas entendu Hillary Clinton, aucun homme politique, peut-être à l'exception de Donald Trump, ou de certains républicains. Mais si vous voulez, il semble qu'aux États-Unis, ce sont les militaires qui sont les plus raisonnables. Donc, je veux dire, regardez les militaires. Et puis, au niveau de ce qui se passe, il faut quand même arrêter de penser que, voilà, aujourd'hui, la Russie, elle souffre malheureusement moins que nous, j'ai l'impression. Myriam. Mais justement, on sait très bien que les politiques... regarde beaucoup l'opinion publique. L'opinion publique est aussi façonnée par les médias. Est-ce que les médias aujourd'hui, qu'on appelle entre guillemets mainstream, n'ont pas une responsabilité très importante dans ce conflit? Parce qu'on voit très peu de journalistes ou de commentateurs appeler à la paix, à la négociation, comme vous le disiez à l'instant. Quand, par exemple, il y a des gens comme Arno Klarsfeld qui font une pétition pour demander, pour dire d'arrêter, on les insulte, on le traite de pro-Poutine. C'est courageux ce qu'il dit, Arno Klarsfeld. Je suppose que c'est hyper intéressant avec Arno Klarsfeld. Moi, j'ai eu l'occasion de l'interviewer là, pour Omerta. Non, un entretien qui sera bientôt publié aussi. C'est qu'Arno Klarsfeld, il n'a pas du tout commencé par « il faut s'opposer à la guerre, il faut parler de paix », etc. Il a commencé par se rendre compte que le boulevard Stepan Bandera à Kiev, il donnait sur le monument de Babi Yar. Le monument de Babi Yar, les gens ne savent pas forcément ce que c'est. Il y a 33 000 juifs qui ont été exterminés dans le monument de Babi Yar en deux jours. Donc c'est le plus grand massacre commis à un minimum de temps. Donc
fait par les Allemands, mais aussi aidé par des supplétifs ukrainiens, dont des partisans de l'UN, c'est-à-dire les nationalistes ukrainiens, qui étaient donc représentés par le même Stepan Bandera. Donc, se dire que le boulevard qui était nommé dans le nom, qui a été donné du nom de ce héros de l'indépendance ukrainienne, qu'il a été réellement, il a collaboré avec l'Allemagne nazie. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que je trouve, moi je me suis rendu compte en Ukraine, que quand je suis arrivé, on m'a dit, les fachos, c'est Azov, ils se battent à Mariupol. Nous, à Odessa, c'est très bien, à Lviv, pas mal, etc. Il y avait 2000 journalistes qui étaient passés avant moi ou qui étaient là au même moment. Je me balade dans les villages, dans mon itinéraire, il m'arrive d'aller dans certains villages. Dans certains villages, je regarde, il y a le drapeau ukrainien, puis à côté, souvent, il y a un drapeau noir et rouge. C'est pas très bien à quoi correspond ce drapeau. Pour moi, c'était plutôt la CNT en Espagne, avec le même logo, mais enfin, sauf que là, c'est deux bandes. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, c'est le drapeau des partisans de Bandera. Et je me dis, mais attends, si c'est dans tous les villages, c'est pas simplement Azov à... Voilà. Et je m'aperçois qu'on est en Galicie, qu'on est une région d'Ukraine qui a quand même donné son nom à une division SS. Et du coup, je me suis intéressé à la vie de Bandera et de Roman Tchoukevitch, qui est aussi un autre héros particulièrement sanguinaire de l'indépendance ukrainienne, du nationalisme ukrainien. Et je me suis rendu compte que ces gens-là avaient passé leur vie à assassiner des gens, en fait. La biographie, j'encourage les gens de taper Roman Tchoukevitch plus que Bandera encore. Je précise que ce Roman Tchoukevitch, on vient de lui faire un timbre en Ukraine. Mmh. À son Et oui, c'est ça qui est terrible. Et donc Tchoukevitch, vous lisez sa biographie, il fait... De temps en temps, il arrête, il fait des enfants à sa femme qu'il va retrouver dans la clandestinité, puis il revient et puis il massacre des gens. Des gens, ça veut dire que Stepan Bandera, il fait des listes de juifs ou de polonais, et Tchoukevitch, lui, avec ses partisans, il va éliminer les gens. Et puis le nombre de gardiens russes, ukrainiens étaient gardiens à Auschwitz, Birkenau. Ça, c'est vrai. Donc, il y aura d'autres. Et puis l'antisémitisme, c'est la question de l'antisémitisme, et c'est là où je peux pas. Je pense que Arno Klarsfeld a un rôle fondamental parce que il y a quelque chose avec l'antisémitisme, c'est d'un degré et d'un niveau. Qui est partagé par les Russes aussi. Moi je stigmatise pas les Ukrainiens. Et j'ai trouvé, pour revenir à la question sur les médias mainstream, c'est que cette question du nationalisme ukrainien, de Stepan Bandera, de ces personnalités célébrées aujourd'hui en Ukraine. Même par Zelensky. Bien sûr, et par le chef d'état-major Valéry Zaloujny, qui lui a fêté, on l'a vu avec le portrait de Bandera qui est né le 1er janvier, on a vu le chef d'état-major de l'armée ukrainienne aller rendre hommage à Bandera, comme beaucoup d'Ukrainiens. C'est compréhensible. Pourquoi c'est compréhensible? Parce qu'il y a eu Holodomor avant, il y a eu la Grande Famine, il y a eu cette espèce de... qui, pour les Ukrainiens, est le moment, un peu comme pour les Juifs, l'Holocauste, c'est-à-dire 2 millions de morts en quelques années, de famine perpétrée par Staline. Donc là, on a un ressentiment énorme qui va expliquer plus tard que le nationaliste ukrainien va se débarrasser des Soviétiques. Pour lui, les Soviétiques, le NKVD, d'ailleurs le NKVD, les Ukrainiens accusaient le NKVD d'être des Juifs, donc aussi il y avait toute cette rhétorique, le bolchevique c'est le Juif, etc. Donc, mais ça c'est compréhensible, mais j'ai vu à peine timidement expliquer dans un article du Monde, comme si on prenait des pincettes, on expliquait, alors que c'est compréhensible et que le public n'est pas idiot. Mais de m'imaginer que moi, allant en Ukraine, je me rends compte de ça, je l'explique, l'histoire des peuples, elle est dure, l'histoire des peuples, elle est faite de massacres, et à l'Est, c'est souvent le cas, souvent la norme. Les Polonais le savent bien. Donc on est dans des pays extrêmement durs. Mais pourquoi ne pas l'expliquer? Pourquoi refuser, au nom d'une narration idéaliste et complètement irréaliste des choses, d'un Ukraine gentil et des Russes vraiment très méchants? Ça suffit, quoi. On est des journalistes, on est là pour raconter les trucs. Eh bien, ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup, Régis Le Sommier.
On rappelle donc votre actualité. Donc c'est bien sûr ce documentaire qui vient de sortir donc aujourd'hui et dont vous avez fait la primeur de nous donner diffuser quelques images. Donc on rappelle donc ce documentaire Ukraine, ils ont accepté leur mort, documentaire de Régis Le Sommier. Vous pouvez voir sur Omerta Media. .fr, également le magazine Omerta, voilà. Le magazine qui sort le 22 février. Qui sera en kiosque en 17 000 exemplaires partout en France. Voilà. Eh bien écoutez, on encourage nos spectateurs à donc aller l'acheter. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Et puis moi je tiens à remercier bien sûr toute l'équipe que vous ne voyez pas derrière les caméras de TVL. Tout d'abord à la réalisation Raphaël, on peut l'applaudir. À la production Arnaud Soyer, on peut l'applaudir également. Et puis toutes les petites mains derrière les caméras aussi qu'on voit pas. Maxime, Sébastien, Mathilde, Pierre, Marine. Sans oublier bien sûr Charles, Mathieu. Et je vois que vous avez été très sobre puisque vous n'avez pas bu de vin. Merci beaucoup de nous avoir suivis aussi longtemps. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau Bistro Liberté. Bye bye.